بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Tout d'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et vos œuvres. Et petite parenthèse, donc j'espère inch'Allah que chacun d'entre vous profite de ces 10 jours du mois donc de Dhul-Hijjah, comme vous le savez, qui sont très très importants pour chacun d'entre nous, qui sont donc ces jours dans ce mois sacré, mois du pèlerinage. Il y a aussi le jour de Arafat qui arrive donc samedi inch'Allah, jour aussi très très important. C'est un jour où Satan, la'anahullah, et ce qu'il y a entre guillemets de plus triste que l'on pourrait retrouver. Parce qu'il voit que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à ses serviteurs. Lui qui espère que chacun d'entre vous tombe dans son piège et suit son chemin. Mais il voit que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, il va pardonner donc à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va même donc interpeller les anges pour leur dire, voyez, mes serviteurs, mes adorateurs, donc qui reviennent vers moi, qui m'invoquent, et il leur pardonne. Reste, à la kulli hal, cette petite polémique sur le fait de jeûner samedi ou pas, hein, le fait qu'il tombe dans le jour d'Arafat tombe le samedi. La plupart des mashayikh demandent le respect pour les avis, le respect aussi entre vous. Il ne faut pas qu'un annule, entre guillemets, le jeûne de l'autre en lui disant non, on ne peut pas jeûner le samedi ou autre. Alhamdoulilah, les mashayikh en ont parlé en long et en large. C'est une petite divergence qui existe depuis des décennies, si pas plus. Et alhamdoulilah, les savants qui disent oui, on dit que les gens jeûnent le samedi, pas spécialement parce que c'est le samedi, ça les gens le savent, mais c'est parce qu'il est tombé, donc que Arafat est ce jour-là. Et ceux qui ont pris la vie qui ne veulent pas donc jeûner ce jour-là, alhamdoulilah, donc ils ont aussi leur propre preuve, mais ce qui est demandé, c'est le respect entre les jeunes et aussi vis-à-vis des plus âgés, car on a remarqué que certains manquent un peu de respect. Si vous savez déjà donner les petites feuilles, l'Akh Youssef, si vous savez donner les feuilles, comme ça on gagne du temps, parce qu'après on se retrouve avec beaucoup de questions. Comme vous l'avez remarqué, donc Yeshaba, pour le sujet d'aujourd'hui, le fait de voir un petit peu notre responsabilité à chacun d'entre nous, spécialement entre guillemets les jeunes, vis-à-vis donc de leur famille. Parce qu'on remarque, alhamdoulilah, qu'on a dans nos familles différentes manières de pratiquer. Comme on a aussi différents niveaux de pratique. Et comme on a aussi certaines personnes qui ont des familles qui ne pratiquent pas, mais qui sont musulmanes. Et d'autres qui ont des familles qui ne pratiquent pas, mais qui ne sont pas musulmanes. Ça veut dire que d'office, comme vous le savez, on a des personnes qui sont converties et que leur famille, donc, n'est pas entrée dans l'islam. Et cette personne aussi se pose des fois des questions. Enfin, essayez, Inch'Allah, de profiter aujourd'hui avec les questions que vous allez écrire, de penser à certains cas que vous avez eu dans votre famille ou bien avec vos amis, puisque la deuxième partie aussi dans le titre, c'est notre responsabilité des fois et notre manière de fonctionner vis-à-vis de nos amis. On a aussi chez nos amis des personnes qui sont prêts à accepter un conseil, comme il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. On a aussi nos propres frères et sœurs. Lorsqu'on parle de la famille, ça part des fois des parents, ça part aussi des fois des frères et sœurs. Donc on a, mashallah, dans toute la sphère qui tourne autour de nous, cette sphère musulmane, subhanallah, et des fois même non musulmane, mais qui est rattachée des fois à notre famille, il y a là des responsabilités. Mais ces responsabilités, subhanallah, sont des fois, entre guillemets, pas bien étudiées dans notre communauté. Et certains n'ont pas le tact. Certains pensent que parce qu'il faut conseiller, alors qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on fait du rentre-dedans. Soit on crie, on lève la voix, ou bien certains égarent la personne et lui disent, voilà, toi c'est fini, t'as plus aucun repentir, ni tu es accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala, il le rejette, pas de discussion, plus rien, à cause peut-être d'une erreur qui, des fois, est vraiment une erreur. Il n'y a pas le choix, on est d'accord là-dessus. Et des fois, subhanallah, ça peut être, entre guillemets, une erreur, mais où toi, tu penses que c'est une erreur. Ah, des fois, c'est très subtil, c'est très délicat, Shabab. Des fois, tu penses que c'est une erreur, lakin, mais c'est un avis différent. Il arrive. Enfin, quelle est ma responsabilité? Comment est-ce que je fonctionne? Quelles sont mes limites? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle. Et à chaque fois que vous avez déjà une question, vous pouvez la faire passer. Et chez les sœurs, la même chose. Pour qu'on gagne du temps et qu'on voit combien il y a de questions, les sœurs, dès qu'il y a des questions, vous les transférez au fur et à mesure. Des fois, subhanallah, la plupart d'entre nous,
Et c'est dommage. On espère qu'avec les générations qui viendront, Inch'Allah, ça sera quelque chose qui doit se retrouver dans l'éducation que l'on donne à nos enfants. C'est ce qu'on appelle fiqh al-da'wa, cette jurisprudence de la prédication. Comment fonctionner avec l'autre? Et comment aussi fonctionner avec al-mukhalif, c'est-à-dire celui qui n'a pas la même manière de voir les choses. On oublie aussi que beaucoup d'entre nous, on ne lit pas le Coran, parce qu'on a des fois des réponses dans le Coran. Quand vous prenez tout simplement un verset très beau qui vous rappelle que بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ce n'est pas, chers frères et sœurs, parce que tu aimes une personne que tu vas automatiquement guider cette personne. Ça, c'est une clé. Wallah, gardez-la. C'est un conseil, c'est une nasiha. Ce n'est pas parce que tu aimes ton père, ton frère, ta sœur, que tu crois que automatiquement tu vas guider cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de la guidance. Celui qui veut la guidance, wallahi, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide pour qu'il y arrive. Ça, chez nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Mais toi, tu es un acteur qui est bien limité. Parce que toi, tu peux trouver des fois les mots pour toucher le cœur de la personne. Et des fois, tu peux même penser que tu as trouvé les mots adéquats. Lakin, subhanallah, tu te retrouves face à un mur. La personne ne veut rien comprendre. Et c'est là que les erreurs commencent. Certains s'énervent. Ils te disent, subhanallah, je lui dis, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit que... Et lui, subhanallah, il ne veut pas comprendre. Sachez que tout d'abord, votre pratique et la vitesse que vous avez eue, vous, pour ouvrir les yeux, n'est pas automatiquement la même chez l'autre. Et c'est là que Satan, il vous arnaque. Wallah, c'est très subtil comme sujet aujourd'hui. Satan nous arnaque de ce côté-là, en te faisant croire que toi, si tu as ouvert les yeux, eh bien, celui qui est en face doit absolument les ouvrir à la même vitesse que toi, tu as ouvert les yeux. Parce que toi, maintenant, tu es dans la situation, tu es à l'aise, tu es farhan, tu es heureux, tu goûtes la joie de la foi. Tu goûtes ce qu'est la pratique. C'est tout à fait normal que tu as envie, alors que l'autre, automatiquement, goûte ce que toi tu es en train de goûter. Et c'est là que les erreurs commencent. Et c'est très, subhanallah, subtil. Ça veut dire que ton intention est bonne, mais la finalité, ce que ça va donner, si jamais tu ne l'emploies pas de la bonne manière, les outils que tu as, si tu ne les emploies pas de la bonne manière, si tu n'as pas du tact, tu vas, wallah, casser ce message, et ce message n'arrivera pas à l'autre. Et voilà pourquoi certains jeunes, des fois, s'énervent et nous envoient des fois des mails en disant « C'est pas normal, j'arrête pas de leur dire de craindre Allah, il n'y a pas moyen. » Et des fois, il y a même des personnes qui nous disent « Cher frère, j'étais dans le péché pendant des années, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les yeux, je parle à ma famille, mais ils m'énervent, ils ne veulent pas écouter. » Des fois, pour le taquiner, je dis « Et toi, à qui on a parlé pendant 20 ans et t'as pas voulu écouter? T'as énervé qui? Toi aussi, t'as énervé des gens pendant des années. » Et il y a sûrement eu, subhanallah, des personnes qui ont fait en sorte qu'ils ont patienté avec toi. Et ils ne t'ont pas rabaissé. Ils ne t'ont pas insulté. C'est pour ça que je ne comprends pas dans la da'wa de certains jeunes qui font comme ça, mashallah, une cette da'wa des fois très très dure, en pensant que c'est fini, je romps la parole, je ne discute pas, je finis, parce que c'est une responsabilité que j'ai vis-à-vis donc de ses proches, et je ne peux pas donc le rigoler au visage. Ça veut dire que deux points, je suis un hypocrite. Voilà, calcul est fait. L'équation, elle prend 2 secondes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur exemple à suivre pour nous, a patienté avec des proches de sa famille jusqu'à leur mort. Comme il a patienté avec des personnes qui étaient étrangères jusqu'à leur mort. Comme il a patienté avec des voisins. Il a patienté, subhanallah, avec toutes les sphères de la communauté. À chacun, il a donné donc le droit qu'il avait dans le domaine de la da'wa, cette responsabilité qu'on a tous. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Chacun d'entre nous, normalement, chacun d'entre nous, les shabab, est censé ordonner le bien. Mais comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, on n'ordonne pas le bien en faisant du mal. Tu ne peux pas ordonner le bien en faisant du mal. C'est-à-dire, celui qui ordonne le bien à quelqu'un doit être normalement quelqu'un qui a un cœur assez ouvert, qui doit avoir un esprit assez large, qui doit aussi, subhanallah, être au courant de ce que ressent les autres. Ça, c'est un gros problème, ya Shabab. Si on réfléchit à notre aise, c'est un gros problème. Tant que tu ne sais pas ce qu'est l'égarement, comment tu vas pouvoir expliquer cela aux autres?
Là, déjà, on a des fois des premières polémiques où la personne te dit, je me sens responsable vis-à-vis de mon frère, son propre frère, subhanallah, est dans un certain égarement. Quand tu lui demandes, par exemple, à lui, toi, est-ce que tu as déjà été égaré? Il te dit non. Donc, qu'est-ce que tu sais de comment est-ce qu'il vit, ce gars-là? Dans quelle vice, deuxièmement, il est? Dans quel vice il est? Des fois, ça peut même ne pas être un vice. Je donne un autre exemple. Des jeunes se plaignent. Tu dis, mon père, j'arrête pas de le supplier d'aller à la mosquée, il n'y a pas moyen. Et il te dit, il est quelqu'un de bien. Quand tu vas demander à cette personne, est-ce que ton père, est-ce que tu connais sa vie? Connais-tu les détails de sa vie? De nouveau, tu vas trouver que non. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les détails de la vie de ceux qui sont en train, entre guillemets, de conseiller vis-à-vis de ceux où ils sentent qu'ils ont une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux. Ils ne sont pas au courant de que cette personne, entre guillemets, vit certaines choses. Tu ne peux pas l'imaginer. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait souvent des assises. Dans l'Arba'in Nawawi, quand tu lis dans certains commentaires, spécialement par exemple de ceux de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il te dit que souvent le prophète sallam avait une place un petit peu élevée où il venait faire des assises. Et les compagnons ridwallah alayhim venaient et s'asseyaient souvent en face de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il posait des questions, il parlait de leur vie. Et lui-même, il leur posait des questions. À un point où, subhanallah, imaginez-vous, et c'est là qu'on sent alors cette responsabilité. Là, je comprendrais qu'un jeune, il se sente vraiment responsable. Parce que la responsabilité, à Shabab, il faut avoir fait un travail juste avant. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand certains venaient chez lui, disaient, ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Alain, qu'est-ce qu'il disait? La tardab. Mais pas en colère. Il aurait pu lui dire, ittaqillah, crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, il lui dit, la tardab. Il le connaissait, subhanallah. Il sait que justement, lui, la colère, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, être quelque chose de pesant, de pressant dans sa vie, de stressant même. Un autre, il va lui dire, voilà, donne-moi un autre conseil, autre. Il va lui dire, toi, occupe-toi de tes parents. Et tu vas trouver comme ça, subhanallah, un point où même certains jeunes, je crois que certains parmi vous sont passés par là, ils ont cru qu'il y a des traditions qui sont faibles en disant, ah, Oustad, je crois que dans cette tradition-là, ils sont trompés. Parce que normalement, quand il lui a demandé de conseiller, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Et là, il lui dit, tu dois aller faire telle et telle chose. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi il n'a pas dit la même chose à tous les compagnons? Eh bien, parce qu'il arrivait que certains compagnons, subhanallah, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est responsable vis-à-vis de sa communauté. Mais il arrivait que certains compagnons, ridwallah alayhim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les connaissait, il les côtoyait, il voyait ce qu'ils avaient besoin. Et l'être humain, en psychologie, c'est connu ça. L'être humain, s'il voit qu'au moment où tu veux l'aider, tu es réceptif à ce qu'il vit, tu comprends ce qu'il vit, mais tu ne le juges pas à la première seconde, et tu le laisses un peu vide et un peu parler, en général, cet être humain est prêt. Petit à petit. Écoutez-moi bien, j'ai bien dit petit à petit. Ça, c'est encore une deuxième erreur qu'on a. Nous, on pense que la personne change à la minute, là. Il est prêt, j'ai bien dit petit à petit, à accepter certains conseils. Parce que chacun d'entre nous, subhanallah, on a comme un sas de sécurité. Vous n'imaginez pas, Echebab. Chacun d'entre nous, on a comme un genre de sas de sécurité. Il y a des choses que chacun d'entre nous, on n'ose pas, subhanallah, dépasser comme limite. Et la preuve, tu as certaines personnes qui, des fois, ont un gros problème. Intérieurement, ils ont un gros problème, mais ils n'osent pas parler. Même pas à leur père. Même pas à leur frère. Alors que penser quand c'est ton propre père qui a cela? Ça veut dire qu'il a une limite où, subhanallah, certaines choses, impossible. Il ne va pas ouvrir la discussion par rapport à cela. Donc ça demande tout un travail. Et il y en a, alors Msakin, il nous envoie déjà, hein, et c'est étonnant. Des fois, tu demandes l'âge, il te dit j'ai 17 ans, et tu dis je suis déjà crevé, j'arrête pas de faire la da'wa dans ma famille. Ah, je t'ai commencé la da'wa à quel âge? À 3 ans? À quel âge tu l'as commencé pour t'être déjà crevé? Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus de 23 ans. Nous, alayhi salam, 1000 ans, moins 50, 950 ans. Et l'ont suivi que quelques-uns. Hadou, c'est des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous. Ça, c'est des prophètes. Et subhanallah, nous, on te dit que le principal, ya Shabab, le principal, c'est d'abord se mettre au courant. Se mettre au courant. Et se mettre au courant, il faut étudier. On ne conseille pas et on n'est pas responsable sans science. Impossible, Ikhwan. Les sœurs, la même chose. On étudie, on se renseigne. Deuxièmement, quand tu te sens responsable de quelqu'un ou tu as envie, subhanallah, de transmettre quelque chose à quelqu'un, on te dit, Allah dalik, apprends à écouter la personne. Écoute-le. Troisièmement, ne réponds jamais, jamais directement. Ne réponds jamais directement. Laisse la personne se vider. Et puis, subhanallah, fais-lui comprendre, tiens, est-ce qu'il y a moyen que je te revoie demain ou après-demain? Cinquièmement, va te renseigner.
On a toujours besoin, nous, de quelqu'un d'autre. Même nous qui, vous voyez, on vous parle souvent, hein, et même nous, on a nos mashayikhs, nos professeurs, chez qui donc on va, certains qu'on appelle. Ne croyez pas qu'on a la science infuse là. On n'a pas de révélation. C'est fini, ça. C'est depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas parce qu'on parle tous les jours, vous croyez qu'on n'est pas touché aussi par des fois des problèmes, ceci et cela. Non, on a toujours besoin, subhanallah, de quelqu'un d'un peu plus calé. Des fois, pas spécialement calé. Il y a des gens qui pensent que ne peut t'aider que quelqu'un qui a l'ilm, la science. Là, des fois, tu peux aller chez une personne âgée, mais qui, subhanallah, dans certains domaines, peut t'aider plus qu'un savant. Et vous le savez. Spécialement, des fois, dans le domaine de la vie, dans le travail et autres. Des fois, quelqu'un qui est marié peut mieux te comprendre que quelqu'un qui n'est pas marié, et ainsi de suite. Des fois même, subhanallah, il m'est arrivé d'envoyer un jeune prendre conseil, parce que je dis, je ne pourrais pas te conseiller. Il est entré en prison une fois, une deuxième fois, il me dit, donne-moi un conseil. Subhanallah, j'ai dû, mais alors il faut connaître certaines personnes. J'ai dû l'envoyer chez quelqu'un qui avait déjà fait la prison et qui, alhamdoulilah, est devenu mais vraiment quelqu'un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, je ne veux pas le citer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, mais quelqu'un vraiment de droit, mashallah, nahsibu kadhalik wa la nuzaki ala Allahi ahada, et alhamdoulilah, je lui dis, voilà, lui pourra t'aider. Et le frère, des fois, alors il est étonné. Il me dit, non, mon frère, c'est vous qui êtes responsable de nous. Il y a de nouveau le mot qui ressort. J'ai dit, non, ce n'est pas spécialement les imams ou bien prédicateurs et autres. Moi, je peux être responsable pour te donner certains textes ou bien certaines pistes par rapport à ton petit programme religieux et autres, et kada, na'am, ou bien par rapport au stratagème de Satan et ainsi de suite. Mais dans ton domaine à toi, pour ne pas retomber dans ce vice-là, moi, je ne suis pas passé, jamais fait de braquage, frère. Je ne peux pas te dire, moi, c'est quel style d'adrénaline elle monte là dès que tu vois une caisse. Je ne sais pas ce que c'est. Na'am, on a fait des mini-braquages à la maison, 5 francs, 10 francs. Et on a vu ce que ça a coûté comme facture dès que tu te fais prendre. Tellement pigeon, comme il dirait l'autre, que même 5 francs, tu n'arrives pas à la prendre comme il faut. Il faut dire que nos parents, c'était des fins limiers avant. Ils savaient comment t'allah quelqu'un qui met ses mains là où il ne faut pas. Mais à la kulli hal, soyez qu'on soit clair. Il y a subhanallah, il y a des situations que chez nous, wallah, et en tant que musulman, tu peux retrouver même quelqu'un qui, avant dans le jahiliya, dans la période où il n'était pas vraiment dans la pratique, comme on dit, il peut une fois entrer dans l'islam. Et subhanallah, on a un texte là-dessus chez nous en religion. Qui te dit que certaines personnes hein, qui étaient dans la jahiliya, qui avaient une certaine situation, tu peux les trouver, wallah, et dans le domaine de la pratique, une fois qu'ils sont dans la pratique, encore mieux que certains. Ils ont vécu, il y a un vécu derrière. Et ça, donc, c'est un point important. Et après, subhanallah, on ne doit pas être aussi gêné de renvoyer des fois la personne à l'apprentissage. Ça veut dire que quand on se sent responsable par rapport à certaines choses, il ne faut pas être gêné des fois à la fin, de faire comprendre à la personne que tu dois apprendre. Et chez nous, subhanallah, et je crois que vous l'avez remarqué, on aime conseiller, il n'y a pas de problème. On voudrait aider nos familles et autres. Mais lorsque tu vas voir le bagage de chacun, il manque beaucoup de choses, Erwan, et vous le savez. Il manque beaucoup de choses. On n'a que des petits détails qu'on a par-ci, par-là. Et vous le savez, beaucoup de jeunes ne tiennent pas dans les cours et tout ce qui tourne autour. Et ça, on vous le rappelle, à chaque fois qu'on vous rencontre, on vous le dit. C'est pour cela que être responsable de quelqu'un ou bien essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est une lourde responsabilité, même pour celui qui veut le faire. Et c'est pour ça qu'on revient à la science, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, man qala alayya ma la aqul. Et dans l'autre tradition, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui dit de moi ce que je n'ai pas dit, qu'il choisisse déjà, qu'il prenne sa place en enfer. Imaginez-vous. Et celui qui ment volontairement sur moi, c'est-à-dire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien la même chose, qu'il prépare sa place en enfer. Ça veut dire qu'il faut parler avec science, pas te sentir tout simplement responsable et ne pas avoir le tact, la manière et la science. Et pour terminer, il arrive aussi que des fois, même en te sentant responsable de quelqu'un, ce n'est pas le moment de parler. Il faut voir la situation dans laquelle la personne, subhanallah, se trouve, pour pouvoir trouver les mots adéquats. Parce qu'il arrive que des fois certaines personnes blessent. Ils viennent, ils ont envie d'aider quelqu'un, mais wallah, ils blessent la personne et se retrouvent tout à fait à côté de la plaque. Je rappelle pour les sœurs, si elles ont déjà des questions, comment vous faites pour les sœurs à l'Akhnourdine? Ah ben voilà, donc s'ils savent déjà en passer, je vous embête souvent pour ça, hein, mais comme le temps va vite, c'est avec le paquet qu'on sait savoir combien de temps on peut donner à chacun. Bismillah, donc comme on l'a dit la fois passée à Shabab, on répond d'abord aux questions qui touchent le sujet. Et puis, sûrement, il y en aura comme d'habitude sur le mariage. Ça, je crois que c'est... ça, il y en aura comme ça toute notre vie. À ce moment-là, eux, on verra donc vers la fin. Inch'Allah, taïb, bismillah. Et quand on ne sait pas répondre, comme je vous ai dit, on dira Allahu a'lam. Taïb, bismillah. Que dire d'une personne qui n'a pas pu se réconcilier avec son frère pour une raison et ce depuis des années, et que cette même personne part au hajj
Son hajj est-il complet ou incomplet? Ya Shabab, nos savants, hafidhahumullah, c'est vrai, ont mis en garde, ont mis fortement en garde, d'après les textes authentiques qu'on a. Vous savez, la tradition qui te rappelle, on n'est pas censé dépasser 3 jours. Que penser, subhanallah, ceux qui restent des années sans se parler? Des années sans se parler. Il y a un seul qui est heureux, wallah, et c'est Satan. Satan, il est heureux. Parce qu'il sait que, subhanallah, on n'est pas... Regardez, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Hujurat, a interpellé 2 groupes qui s'entretuent. Et il les a appelés musulmans, croyants, il les a appelés. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Il les a appelés croyants, et Shabab. Donc normalement, nous, on est censé que si jamais un propre frère à nous ne veut pas nous parler, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la tournure qu'il a employée. C'est pour ça qu'on doit apprendre à décortiquer les versets. Il a dit « fa'aslihu ». Ça veut dire qu'il interpelle même, comme on dit les savants, il interpelle même les autres croyants. Ils doivent aussi intervenir. Normalement, dans notre famille, on est censé que lorsqu'on n'entend que 2 ne se parlent pas, logiquement, on doit venir. Il faut absolument le faire, Yeshabab. Et ça, c'est une responsabilité. C'est une très très belle question. Normalement, on doit se contacter et on doit faire une descente. J'ai bien dit le mot descente. Ça veut dire, au lieu que les jeunes, qu'Allah les guide, ils descendent sur certains quartiers à 20, 30, 40 pour des bêtes histoires de boosters et compagnie ou bien d'insultes. Ça, c'est un autre domaine. On doit trouver vraiment le rojo là. On doit trouver ce qu'on appelle chez nous, mashallah, cette fierté de croyant lorsque dans notre famille, 2 ne se parlent pas. On fait une descente à 20. On appelle tous les cousins, les tantes, les oncles, et on prépare une rencontre. Hatta les savants, et vous savez très bien, ils sont unanimes de dire, et ça on a des textes là-dessus, que parmi les mensonges qui sont acceptés, c'est lorsqu'on veut réconcilier 2 personnes. Et c'est très simple, tu retournes chez lui, tu lui dis, subhanallah, qu'est-ce que tu penses d'un tel là à qui tu ne parles plus? Tu te rappelles avant, vous étiez, mashallah, des grands amis, je vous voyais, vous sortiez, il y a que c'est vrai ou pas? La preuve, subhanallah, psychologiquement, quoi qu'il arrive, la personne va hocher de la tête. Pourquoi je vous donne ce petit détail-là? C'est là qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas de mensonge. Puisque quand tu vas aller chez l'autre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, subhanallah, j'ai parlé de toi et de tous les beaux moments qu'il y a eu entre toi et lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah? Il a hoché de la tête, il était d'accord. Ça veut dire que tu es encore dans son cœur. Le frère n'a pas insulté, il n'a rien dit. Et de nouveau, tu retournes chez l'autre, tu refais la même chose, tu dis, subhanallah, incroyable. T'as vu le type à qui tu parles pas, subhanallah, ton frère là ou là, ton cousin? J'ai été, je lui parlais toi la même chose. Et subhanallah, il a fait, et tu lui expliques. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans notre communauté. Hana, subhanallah, il est incroyable, spécialement chez nous, on retrouve des personnes. Et nous, dans notre métier, on a un gros pourcentage de cela. Combien on reçoit? Vous savez, nous, on est des saisonniers, comme je les appelle. Les prédicateurs, on fonctionne avec les saisons. Ça veut dire que maintenant, vous voyez cette question, juste avant le hajj, comme la plupart, et hatta même, subhanallah, ya shabab, je sais qu'en général, par exemple, les visas se donnent plus à partir, c'est un exemple, 1 semaine avant le hajj. Je sais d'office que, par exemple, jusqu'au 22, je vais recevoir cette question-là. Après, c'est fini. Pourquoi? C'est très drôle chez nous. Les gens se cassent la tête jusqu'au départ. L'avion part le 13. Jusqu'au 13, je vais avoir des mails. Ah, il part et il n'a pas voulu m'écouter. Ça fait 1 mois que je lui parle et il n'a pas voulu. Jusqu'au 13. Et chaque fois, je dis à la personne, ouais, mais tu parles seul et la famille. Non, non, ça c'est entre moi et lui. Comment ça c'est entre toi et lui? Soyez logique. Le courant ne passe pas entre toi et lui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé le reste des croyants. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. On a besoin des autres qui viennent. Pourquoi? Parce que toi, quand tu es chaud dans une histoire, c'est tout à fait normal qu'il est difficile que l'autre accepte de toi, subhanallah, un conseil. Et des fois, on va plus loin. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas une réconciliation quand il y a quelqu'un qui est connu de la famille. Pour eux, c'est la honte. Et on a à l'inverse, regardez comment c'est délicat, les gars. Et on a à l'inverse des personnes qui n'acceptent pas que tu fasses entrer des personnes étrangères. La preuve, moi, ça a été mon métier pendant 10 années au centre islamique. Chaque fois que on a 80 à 90%, c'est les femmes qui viennent au centre. Wallahi. Et à 90%, c'est les hommes qui ne veulent pas la réconciliation. Spécialement quand la femme lui dit, viens, on va mettre en pratique la religion. Je connais rien en religion, tu connais rien. Viens, on va aller chez un imam au centre. Wallah, mais ils veulent venir les hommes. La preuve, il n'y a même pas 10% qui viennent. Et quand ils viennent, c'est des têtes dures à 5%. Tu parles au béton. Encore le béton, il va craquer, lui pas.
Pas quel béton à force de taper dessus, il craque. Il n'y a rien. Il ne peut pas écouter. Les hommes sont très durs dans la réconciliation à Shabab. Wallahi. On vous parle, c'est le métier qui parle. C'est pas des. On croit que. Wallahi, ils sont très très durs, les hommes, dans le domaine de la réconciliation. Et subhanallah, on a tous les cas. Donc à toi d'étudier justement, dans ta famille, cette personne-là, s'il accepte, subhanallah, la première discussion, bismillah, tu l'as fait. Tu sens qu'il n'accepte pas, prends avec toi quelques personnes, même s'il ne va pas aimer. Même s'il ne va pas aimer. Essaye même de voir, c'est encore une autre idée qu'on a fait et que des fois ça marche, essaye qu'un ami à toi l'invite à la maison. Même si tu vas me dire, oh là, il va y avoir un carnage. Ce n'est pas tes affaires pour le carnage, vous venez à 20. Ça veut dire que c'est ton ami qui l'invite et toi tu viens, il sonne, tu montes. Nous on l'a déjà fait, Allah. Parce que des fois, il suffit que de dégoupiller d'ex Satan, l'ana Allah. Il faut le dégoupiller, baba, direct. Et en général, ça marche. Wallahi, ça marche. Faites-le, bi'idnillah, ça marche. J'ai déjà assisté des frères. Bon, maintenant, j'ai plus la santé pour le faire. Parce que pendant des années, Dieu en est témoin, je l'ai fait, mais chaque semaine quasi. Le type, il t'invite à une maison où le gars, celui avec qui il y a un problème, il penserait même pas, même, genoux, ils n'arrivent pas à lui dire que toi, tu vas te retrouver là-bas. Puis il rentre, il s'assit. Puis il te voit ta tête, il me dit, c'est pas toi un tel, ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, pourquoi je peux pas boire du thé ici, Aoula? C'est interdit. Ah, tu rigoles, moi, il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Et des fois, je m'assieds exprès le fauteuil près de la porte. Mais il faut être un base. C'est vrai que vous nous voyez comme ça, vous croyez que, hein? Il faut, pourquoi? Parce que le type, dès qu'il voit l'autre arriver, celui-là qui a un problème, il se lève, il veut quitter. À combien de fois, il y en a qui... C'est pour ça qu'il faut apporter quelqu'un de respecté. Mais ça, de nouveau, il faut qu'il y ait la relève, les gars. Faut de la relève. Parce que dès que le type il vient en face de moi, je dis, tchou, vas-y, frappe. Je dis, non, Allah, moi, je quitte la porte. Et je dis, la clé de la porte, elle est dans mon kamis. Sors là. C'est un homme. Kharj. Le type, il est gêné. Il fait, ah, frère, je te respecte. Ça. Il lève les mains, il lève. Je fais, non, je ne bouge pas de la porte. Va t'asseoir. Subhanallah, c'est qui c'est un kafir, c'est qui ce gars-là? Même un kafir, tu peux même pas lui faire ça. Tu ne peux même pas venir le frapper ou quoi que ce soit. Vous entendez tout le temps ça chez le mashayikh. Ça, c'est de la théorie, vous le savez. Tayyib, glisse, assis-toi deux secondes. Oublie-le. Voilà, c'est ça, les gars. Ça, Arafti, réconcilier quelqu'un, là, c'est très, très important. Et celui qui fait le premier pas, là, il a un bénéfice immense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, normalement, on devrait avoir ça dans notre communauté. Ça devrait, ya Shabab, et je parle maintenant à la plupart d'entre vous qui ne sont pas encore mariés, vous devez vous habituer à le faire entre vos frères et sœurs à la maison pour que vous soyez capable plus tard de le faire entre adultes. Et vous devez l'enseigner à vos gosses. Même nos enfants, on les embête. Allah, s'il pouvait le dire, j'ai un de mes fils, il est ici. Ah, je les hammar depuis qu'ils sont petits. Il fait un truc tordu avec son frère. Embrasse-lui la tête. C'est bien chez nous, le mgharba. Embrasse la tête de l'autre. C'est malade. Tiens, embrasse-lui sa tête là, dans le front, là, au milieu. Et tu sais comment ils sont. Et ils pleuraient, ils bavent. Vas-y, embrasse sa tête. Mout. Quand tu lui apprends depuis qu'il est petit, il arrive à un certain âge. C'est tout, c'est une habitude. Preuve même, des fois, tu dis que si tu choisis. La bise ou le jugement? La bise. Pas de jugement. Il sait bien que le jugement va être grave. Les PSP qui sautent. Oui, non. Au début, c'est un jeu. Mais nous, on n'a pas cette éducation dans la famille. On a même des fois, wallah, qu'Allah nous guide, on a même des fois des adultes, des parents qui allument. Ah, elle t'a fait ceci ou cela? Il t'a dit ceci ou cela? Attends, bébé, on va lui arranger son affaire. Combien de fois on n'a pas entendu ça dans nos familles? Attends, je vais lui arranger son affaire. Moi, j'ai déjà appelé au centre, j'ai appelé des familles. Smahli, on m'a dit que t'es quelqu'un de respecté dans la famille. C'est pour l'histoire d'un tel. Un tel, Allah a été le mot. On n'a même pas encore commencé à discuter. Ouhada, c'est un référent dans la famille. C'est une référence. Ça, c'est catastrophique, Erwan. Et c'est là qu'on voit la hikma, la sagesse de certains versets quand on parle du groupe qui doit venir. Et voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans citer, il montait sur le minbar, il disait « Ma balu aqwa min fa'alu kada wa kada » Il ne citait pas « Que penser de certaines personnes qui ont fait ceci et cela ?» Et ça, souvent, nos imams devraient le faire. Même lors des prêches de vendredi. Hein, ça veut dire, il y a le sermon, il y a la khutba, et c'est bien d'avoir aussi, des fois, hein, ce qu'on appelle les petits cas sociaux, hein, les petites histoires. Et l'imam, à ce moment-là, dès qu'il termine sa khutba, c'est bien qu'il allume en disant « Subhanallah ». Parce que c'est ça qui est beau chez nous dans notre religion, c'est que normalement, la mosquée au centre du village, elle s'occupe de tous les problèmes de la société. Wallahi. Et imaginez-vous, nous, on a 10 mosquées dans une rue. Vous savez très bien de quoi je parle, Molenbeek et tout le reste. Des fois, sur une artère, il y a 8 mosquées. Mais ce qui me tue, Anna, c'est qu'il y a 8 mosquées, mais 200 000 problèmes. À quoi elles servent alors ces mosquées? Soyez logiques. Il y a 1000 problèmes. Alors que normalement, chaque mosquée pourrait s'occuper d'un périmètre bien précis.
Et l'imam, subhanallah, il fait sa khutbah sur un sujet bien précis, et à la fin, il peut faire un peu de social pendant 10 minutes. Et Juan, on m'a dit qu'il y a parmi vous des gens qui commettent ceci et cela. N'est-ce pas haram? Et puis il fait un peu de targhib et de tarhib. Ça, c'est un peu l'ouslou. Vous avez remarqué le système coranique, mashallah, très beau. On attire et on fait aussi un peu peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour rahim, mais il est aussi shadid al-iqab. Vous connaissez le système maintenant, vous êtes habitué à l'entendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, miséricordieux, mais il a aussi un châtiment dur. On va avec les deux. Et l'imam, il rappelle des fois aussi les, mashallah, les bénéfices qu'il y a pour telle et telle action, hein, le paradis, ceci, cela, il parle des délices du paradis, puis après il peut parler aussi de l'enfer et ce qu'il y a. Comme ça, l'être humain, des fois, il y a des personnes, subhanallah, vous serez étonné, tu lui fais un, hein, j'ai déjà vu ça au bureau, des fois tu rentres rien que dans le domaine de l'enfer, il y a des personnes qui paniquent à la seconde. Alors, tabarakallah, j'ai eu devant moi des high stats, des gars, un, allez, quand je dis souvent, vous connaissez le, hein, 1m90 sur 1 mètre. À peine tu parles de l'enfer, le type y fond, de la peur. Tu dis non, ça fait, j'ai compris, stop. Ça fait ça. Tu sais pas quel mot peut toucher l'autre. Donc, ça, c'est un point important. Yahi, ton travail n'est pas de juger ou de savoir si son hajj est accepté ou pas. Ça, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Oublie cette question. Toi, maintenant, ce que tu dois t'atteler et te préparer avec certains de tes proches, certains de tes amis, c'est de l'accueillir et de lui dire, Agia frère, maintenant que tu es parti, on est heureux de te voir, tu es revenu vivant. Pas que dès qu'il rentre, tu lui fais, viens, Shemet, viens, puis t'as été faire là-bas, Allah, Allah, et toi, t'es un. Ah, il y en a qui le font. Wallah, il y en a qui le font. Il y en a qui l'attendent au tournant. Dès qu'il va arriver, il va se faire, le hajj, mout, maintenant. Va faire même tawaf en marche arrière, t'auras rien toi. T'auras rien. Et ils vont le casser. Il y en a qui vont là oublier ça. Allah irda alaykoum. Satan, il vous attend. Et wallahi, pour cette histoire-là, Satan l'attend même le jour où il va rencontrer, face contre face, ils vont se voir. Qui est le premier qui va envoyer un pic? Là, ponce ton âme. Au contraire, toi va vers lui. Il ne veut pas te parler, toi va vers lui, subhanallah. Si toi maintenant tu demandes conseil, tu es mashallah, un bon musulman, va vers lui. Si tu as fait tout ce qu'il y a à faire, et que même comme ça, à la fin, il ne veut pas. Vous savez ce que je dis à nos frères et sœurs? Ne me dis pas que c'est fini, j'ai tout fait. Là, continue toute ta vie. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait immense. Je ne fais pas de la pub pour les télécoms, mais baise illimité, c'est un bienfait immense. Alhamdulillah, ça va? Et il y a même des jeunes, Jim Mobile et tout, ils donnent 5 euros, ils reçoivent 5000 SMS. Alors au lieu d'envoyer tout des lol, comme des hebel toute ta vie, lol, 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 là, oublie lol, et envoie-lui, machallah, un petit hadith, envoie-lui, je viens de penser à toi, même si tu crois que je t'aime pas, wallah, et tu restes mon frère, lui va te renvoyer, dégage, toi tu lui dis au contraire, j'aime bien dégager vers le paradis. Fais hebel terbah. Non, non, subhanallah. Pourquoi on n'est pas malin dans ce côté-là? Pourquoi on n'est pas intelligent dans ce système-là? On a tous les moyens entre les mains. Et renvoie-lui des SMS ou kada, et des fois même, wallah, passe près de sa maison, mets-lui une lettre dans la boîte aux lettres. Et la preuve, on est en train de parler à tous des jeunes de la génération, alhamdoulilah, qui savent écrire, qui comprennent. Tu ne sais pas écrire, demande à ta fille ou à ton frère ou à ta sœur qui écrit. Tu es quelqu'un d'âgé, aide ton père, aide ta mère, écris quelque chose. Et tu vas, mashallah, et tu déposes, et ainsi de suite. Ça, c'est un point important. Je vous ai dit, quand c'est hors sujet, je l'enlève. Voilà, je suis marié depuis 29 ans et je fais chambre à part depuis 4 ans. Et lui aussi ne cherche pas après moi. Mon mari, il joue au jeu, les cartes, il me demande de faire un prêt pour payer ses dettes, mais chaque fois, il recommence. Eh bien, chère sœur, effectivement, c'est une sale responsabilité. C'est très lourd. Moi, je ne peux pas porter de jugement sur le frère. Vous savez très bien qu'en islam, on n'a pas le droit de porter jugement sur quelqu'un qui n'est pas présent. D'accord? Ça, vous devez être clair. Quand on envoie une question en parlant, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, oublie le frère. L'épouse ici qui a envoyé aussi la question, je ne vais pas maintenant, pendant 3-4 minutes, taper sur le frère ou ceci ou cela. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Allah le guide. Et invoquer Allah, ya shabab, apprenez l'ard alikum, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que dans la prière, on n'est pas radin dans la vocation. La preuve, on dit dans surat al-Fatiha 17 fois par jour, ihdina, c'est au pluriel, c'est vrai ou pas? Ihdina, quand vous êtes prosterné, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde, musulmans et non-musulmans. Spécialement dans le domaine de la guidance, ya shabab. Ça, on oublie, nous. Soit on est radin, subhanallah, ala trois fois, puis on se lève. Si on a une facture ou un problème, alors on invoque pour nous. S'il y a un examen, on invoque pour nous, puis ça s'arrête là. Là, ihdina, ça nous a laissé, mashallah, une leçon incroyable. Guide-nous, c'est toujours au pluriel. Fakallah, subhanahu wa ta'ala, guide ce mari. Et vous, maintenant, chère sœur, il faut absolument, l'ard alikoum, 4 ans de chambre à part, ce n'est pas une vie de couple à la musulmane. Donc, il faudrait absolument faire ce qu'on appelle un système de médiation. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas.
Chez nous au centre, la plupart de nos mashaykhs, on leur demande conseil quand ils viennent. C'est que le système qu'on donne, c'est que par exemple, l'épouse, à un certain moment, et spécialement quand, vous savez, quand il y a des petites disputes, il ne faut pas directement comme ça ameuter la famille. Ça, c'est pas bien. Crois pas que, mashallah, ton père a une responsabilité, à un point où il doit venir tous les 10 secondes. Chaque fois qu'il y a un petit cri à la maison, le père, il vient ou la mère, elle vient. Non, ça, c'est pas bien. Un couple, justement, ça se soude quand il y a encore des petits, quand il y a encore des limites entre eux. C'est normal qu'il y aura des hauts et des bas, des petits cris, des petits énervements. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'il se soude au fur et à mesure. Un os, quand tu le casses, c'est tout à fait normal qu'il fait très très mal. Même quand tu mets un plâtre, il fait mal. Parce qu'il doit se souder au fur et à mesure. Un couple, c'est la même chose. Dès que ça commence à devenir, Allah, ça sort de certaines limites, on passe par une médiation neutre. On n'ameute toujours pas les parents. Nous, notre avis au centre, on ameute les parents que lorsque le mari tape ou la femme tape. Là, on ameute les parents, il n'y a pas le choix. Je n'étais pas marié à une vache ou bien l'ahfad d'un animal. Je n'étais pas donné ma fille pour puncher dessus. Et aussi, mon fils, il s'est pas marié avec toi. Pour toi, la sœur, tu as des petits complexes d'infériorité ou je ne sais pas ce que tu as. Allahu alam. Chaque fois qu'il bouge, tu donnes une pêche. Là. Et on en a. Côté sœur, côté frère. Là. Là, je dis ça, c'est un manque de respect. C'est quelque chose de catastrophique. Là, on appelle et il faut s'asseoir. Parce que, wallahi, j'ai eu, sur ma dizaine d'années, j'ai déjà eu deux cas où la sœur est morte par les coups. On a eu deux cas où la sœur est morte. Et soi-disant, le gars, il ne voulait pas. Parce qu'il a donné un coup, le coup est parti de travers. Non. Et on a eu des cas où la personne est handicapée. Il n'y a même pas 2 mois, j'ai eu une sœur donc, qui est venue. Parce qu'il a donc, le mari a donné des pêches. Mais, et maintenant, elle ne voit pas du côté gauche. Pronostic, j'ai vu le papier de médecin. Parce qu'elle me dit, est-ce que, regarde, il y a encore des sœurs, Allah, et qu'Allah les guide. Et qu'Allah les récompense. Elle est venue chez moi au centre me dire, est-ce que j'ai le droit maintenant d'aller en justice parce qu'il y a des sœurs qui m'ont dit c'est haram, c'est du shirk, c'est des tarots, il ne faut pas aller. Elle me sort les papiers, donc elle avait un patch. Et je lis, le médecin il dit, voilà, ophtalmologue, elle dit, donc c'est mis que la femme est aveugle de l'œil gauche suite au coup et blessure qu'elle a reçue. Eh, on est. Oh là, où est-ce qu'on va là? Enam. Ici, alhamdoulilah, voilà. La sœur, il dit qu'il fait seulement chambre à part. C'est comme s'il fait comprendre qu'il n'y a plus de vie de couple. À l'aise, laisse-moi tranquille, parce qu'il y a une petite colère entre eux. Et va voir laquelle. C'est pour ça que cette question ici, il vaut mieux donc faire une médiation. Qu'est-ce qu'on fait? Fait une médiation privée. Apportez des gens que vous connaissez, que lui connaît, qui ont un peu de sagesse, et il les retrouve à la maison. Il va s'énerver, il va faire un tas de choses, parce que souvent c'est ce qu'on nous remet comme remarque. Oh, mais il va s'énerver. Pourquoi vous posez la question alors? Soyez logique. Vous avez remarqué comment c'est délicat? Là, qui me dit, oui, mais il va s'énerver. Oui, il va faire. Il faut crever l'abcès un jour ou l'autre. Il n'y a pas le choix. Comme ça, on voit après si vraiment il ne vaut pas la peine l'ahfad et qu'il va ententer à votre vie. Là, à ce moment-là, vous connaissez la réponse. Là, il y a un cas de force majeure. S'il faut alors aller chez vos parents, il faudra y aller. Mais qu'on soit logique. Et il n'y a personne ici d'entre nous qui l'accepterait pour sa fille. Ça, oulala. Parce qu'il y a que des hommes en face de moi. Personne ne l'accepterait pour sa fille. Donc, à un certain moment, il n'y a pas le choix. On passe par neutre. Et puis après, si ça ne va pas, on passe par les parents. Ça, il n'y a pas le choix. Et une fois qu'on passe par les parents, à ce moment-là, on le rappelle encore une fois, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appelle pas ses parents pour justement ameuter et faire du bruit et des problèmes. On ne peut pas, yeshabab. Ça, je crois que vous le savez. Mais c'est toujours as-sulhu khair. C'est toujours pour essayer de trouver quelque chose qui va faire qu'on va se réconcilier. Et comme d'habitude, même Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré. C'est que l'israh, c'est-à-dire que si ça ne va pas et qu'il faut séparer entre les deux, on se sépare alors à ce moment-là. S'il faut, subhanallah, divorcer, on divorce alors à ce moment-là. Mais on ne pousse pas quelqu'un et on ne l'oblige pas à vivre, subhanallah, dans une situation haram, comme par exemple menacer son épouse, aller contracter des prêts pour aller payer des dettes de carte. Donc là, les membres de la famille doivent venir. Et aussi les membres de la famille de l'homme, si on connaît des frères ou des sœurs. Et c'est ça que j'ai remarqué, subhanallah, pendant toutes ces années. La plupart, c'est pour ça que le sujet, je remercie les frères qui l'ont choisi, la plupart sont démissionnaires dans nos familles. Souvent, quand j'appelais, par exemple, la sœur, elle me dit, je dis, comment ça vous me dites, vous êtes seul, vous n'avez pas des oncles et des tantes? Elle dit, ouais, j'ai 5 oncles. Tous dans la quarantaine d'années, 50. Quand j'appelle, ne fût-ce qu'un, je dis, là, est-ce que là, ma chichourlée, ce n'est pas mes affaires. Pas mes affaires. D'autres ont osé me dire, oui, mais c'est parce que je ne peux pas rentrer, parce qu'au Maroc, j'ai une terre avec le père de la fille. Et si jamais je vais rentrer dans l'histoire, il va y avoir du grabuge là-bas. Donc il est prêt à laisser liquider une personne à cause parce qu'il a un business au bled. Et vous savez très bien qu'on a ça dans la famille. Hein? Je ne veux pas rentrer dans ma chakil parce qu'on a des vaches et des brebis et si jamais il y a un problème, il y a une vache qui va disparaître, c'est bien, kada. Non, non, je ne préfère pas entrer dans les histoires avec lui. Non, non. Adalé, je vous en peux pas religieusement.
Et ici aussi, certains jeunes, même les jeunes qui se disent soi-disant, mashallah, intelligents, cultivés, tout ce que vous voulez, wallah, ils des fois sont ignares dans le domaine religieux. Tu dis, cher frère, c'est ta soeur, frère, ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas moi qui ai marié avec lui. Voilà, il largue l'affaire en 2 minutes. Ça, en islam, on ne peut pas. On a une responsabilité, Erwan. Et comme vous le savez, si vraiment on était unis comme il se doit, à ce moment-là, alhamdoulilah, les choses s'arrangent. Mais nous, on n'a pas de pitié entre nous. Des fois, il arrive, regardez, je donne un autre cas, un troisième. C'est que des fois, la fille a peut-être forcé pour se marier avec un tel. Par exemple, c'est cette sœur. Il se peut que quelqu'un va me sortir comme remarque, par exemple, on va dire même son oncle ou même son père à elle. Parce qu'elle est quand même d'un certain âge, parce que 29 ans mariée. Et peut-être qu'on va me sortir le rnen, la prise de bec ou la prise de tête qu'il y a eu il y a 30 ans quand elle s'est mariée, parce que le père lui a peut-être dit ne prends pas ce gars-là, c'est un tordu. Et certains alors y jurent, sur 100 ans, tu dis le jour où elle a un problème, Allah, moi je l'aide. Est-ce qu'on n'a pas ça chez nous aussi? On a ça chez nous aussi. Ça veut dire qu'on condamne une personne pour un choix qu'elle a eu. Mais cher frère, sois logique. Tu ne connais pas le futur. Tu as peut-être vu des éléments que tu n'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais laisser après se voir dans le haram comme font nos jeunes aujourd'hui? Quand le père ne veut pas marier la fille, elle va le voir alors en cachette? C'est ça la réalité? Donc c'est pour cela qu'on doit apprendre au fur et à mesure ce pardon. On doit apprendre, subhanallah, à lâcher un peu du laisse pour récupérer. Comme a dit le prophète, quand il a fait la remarque à certains compagnons vis-à-vis de ceux-là qui se saoulaient, et ainsi de suite. On ne doit pas être une aide avec Satan contre un frère à nous. Parce que qui va le récupérer? Qui va récupérer ce frère? Satan, l'anoullah, comme vous le savez. Que faire quand nos parents ne respectent pas certains points importants de l'islam et donc on se fait passer pour des extrémistes? Alhamdoulillah qu'on te fait passer pour un extrémiste. C'est déjà bien, c'est déjà une belle shahada. C'est une belle tazkiya. C'est bien. C'est un beau cachet. C'est-à-dire au moins il y a de la pratique. Mais il y a les frères et les sœurs. Tes parents resteront tes parents. Gardez cette théorie jusqu'à la fin de votre vie. Ton père reste ton père. Ibrahim alayhi salam, vous l'a répété plein de fois. Ils veulent le cramer, il n'y a pas pire. Il supplie son père. Ya abati. Il ne lui a pas dit ya mushrik, ya ceci. Jamais, hachalillah. Il n'a jamais rabaissé Ibrahim alayhi salam, père des prophètes. Sommité dans le domaine des prophètes, et vous le savez. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Et il a laissé, la preuve est dans le Coran, subhanallah. Ya abati, ya abati. Papi, papounet, vous l'appelez comme vous voulez, diminutif de père. Et il va se barrer avec lui. Tu n'as pas le choix. Que ton père, il te fait yal'ouj. Qulullah alhamdulillah, l'walidin al-walid. Allah. Et nous, nos jeunes aujourd'hui, dès que le père, il va dire un mot, qu'est-ce qu'il y a? Il va vite prendre un livre, fatwa, kada, tib, hein? T'es un égaré, toi, t'as. Parle pas. T'es un égaré, me parle pas. Pas me parler. Toi, tu connais même pas Nawaqid l'Iman et tu vas me donner des leçons. Kada, et puis. Et Wallah, ya Shabab, ce que je vous dis là, j'ai tout des preuves. Je l'ai pris exprès avec moi l'appareil. Tous les mails. J'ai des jeunes comme ça. J'ai dit à mon père qu'il faut absolument faire des surérogatoires, c'est important. Kada. Mon père m'a dit non. Cher frère, je pense que je peux, moi et mon frère, lui enlever la tutelle. Ils ont déjà fait un tribunal. Ils ont qassar, ils ont mis leur père dans le domaine de le coffre. L'enterrement, tout est déjà prêt. La tutelle est déjà enlevée. Je dis, les gars, oui, mon frère, il est contre la sunna. Hé, où est-ce la da'wa, la patience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle. C'est vrai ou pas, les gars? Pourquoi on aime que répéter la sirah pour faire beau, subhanallah? Pourquoi? C'est une grave erreur. La sirah, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète, ya shabab, wa ma atakum rasul fakhudou. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a demandé de faire, tout ce qu'on a vu de lui en exemple. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on le suive alors dans sa manière, dans ses faits, ses gestes, sa patience, sa da'wa, sa prédication, avec son oncle, il reste jusqu'à la dernière seconde et lui demande ya am, ya oncle, répète la shahada, comme ça je suis témoin pour toi. Bah, ton père, tu vois qu'il te traite d'extrémiste au contraire. Au plus, ya Shabab, gardez cette théorie. Au plus ton père se fâche, au plus toi, c'est même pas les vases communicants. Baki les vases communicants, vous vous rappelez, hein, si tu rajoutes un litre là, il faut rajouter un litre là. Ya, comme ça reste là. Chez nous, l'islam, c'est l'inverse. Au plus il s'énerve, au plus toi, tu dois vider le vase. Haoud. Haoud. Wallahi. Au plus il crie, au plus tu te tais. Chez nous, les jeunes, c'est l'inverse. Plus il crie, au plus. Ah, comment j'ai dit? Moi, j'ai fait. Non, tais-toi, ferme ta bouche. Skate. Parle pas. La semaine passée, le week-end passé, j'étais pas loin de Genève, chez les frères turcs,
conférence. Mashallah, ils commencent eux aussi à inviter. Wallah, il faut voir chez les Turcs quel respect. À dormir debout. Dès que l'imam y rentre, moi j'ai jamais vu ça chez nous les Maghrébins. Dès que l'imam y rentre, tout le monde fait comme ça. Tu demandes qui est rentré dans la salle. Amma, ils sont assis avec des dralibs, parce que ça y est, les Turcs, ils ont toujours un local. Ils sont assis avec des jeunes entre eux. Un des pères des gars, il va rentrer, il va passer à côté d'eux. Tu vois, le jeune, il saute de la table, frit, il va direct, il embrasse la main. Je fais, qu'est-ce qu'il fait? Mais son père. Un de ces systèmes est incroyable. Alors que nous, souvent, qu'on soit honnête, il faut être carte sur table, on dit souvent que, soi-disant, beaucoup de Turcs sont égarés et connaissent pas bien la religion, et man arafchenné, et ceci, et la laïcité, bla 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 bla. Il y a plein de sujets dans le domaine du respect, subhanallah. Et en tant que musulman, je vous assure, ils nous dépassent de loin dans certains domaines. Spécialement ce respect des hiérarchies, et ainsi de suite, vis-à-vis de leur imam. Je passais 2 jours avec eux, j'ai vu de mes propres yeux. Incroyable. Lakin, nous, on manque un peu d'entraînement par rapport à cela. Tes parents, c'est ton paradis, les frères. C'est pour ça que les savants nous disent, quand tu perds ton père ou tu perds ta mère, tu viens de perdre une des clés du paradis. Sahoulala. Tu viens de perdre une des clés du paradis. Parce qu'alhamdoulillah, avec le comportement que tu es censé avoir avec eux, c'est avec ça que tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu les perds, tu perds une porte. Tu perds le deuxième, Allah aoun, il ne reste plus que toi, et Allah subhanahu wa ta'ala, on y va. D'où tu vas gratter les hasanat là? Ça c'est les actions privées entre toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à côté, c'est un bienfait immense qu'on a, nos parents. Donc Allah arda'ali, continue frère. Wallahi, continue à les conseiller, et comme on l'a dit, pas tout le temps, pas tous les 5 minutes. Tu parles une fois, puis laisse une petite semaine passer. La semaine, elle passe. Ne parle pas. Apporte peut-être un CD. Des fois, ils vont peut-être être un peu hautains devant toi. Ils vont peut-être pas vouloir, mais il arrive que, wallah, et des fois, il y a des frères qui ont déjà testé, des sœurs qui ont testé. Ils m'ont dit, des fois, on a apporté un CD. Ils ont pris, ils l'ont même jeté. Ils ont fait comme ça, blani sur la table, fred. Et me dit, le lendemain, je suis rentré en schlaid. Qui j'entends qui écoute le CD? Mon père. Et regarde comment, des fois, certains, ils sont un peu durs. Il me dit, quand j'ai ouvert la porte du salon, et je dis à mon père, ah, Inch'Allah, tu écoutes. Ah, non, Adar, qui kharbar, je voulais savoir ce qu'il y a. C'est, voilà, c'est l'être humain, c'est le caractère. Tu vois, Mais le type, je lui dis, Alhamdulillah, il écoutait. Il m'a dit, eh, je l'ai attrapé, il écoutait. Je dis, Alhamdulillah, stop. Tu sais pas. Même s'il te rabaisse ou quoi que ce soit, loin de là. Je suis désolé, beaucoup de questions hors sujet. Que faire lorsqu'on essaye de conseiller une personne au sujet de choses très importantes sur la religion et qui savent que vous avez raison et vous font du mal et vous disent que vous êtes folle, pas normal et qu'on avance donc avec de l'arnaque et autre. Ça c'est côté sœur, la même chose. Vous l'avez remarqué, que ça soit folle, intégriste, ceci ou cela, ça c'est les remarques habituelles qui reviennent. Et ne vous en faites pas, Ikhwan. On a dit de cela, tu vois tous ces mots-là, fou, majnoun, ensorcelé, kada, on l'a dit à ceux qui étaient mieux que moi, que vous, les prophètes. C'est vrai ou pas, Hachem? Et ils nous ont laissé cet exemple dans la da'wa. La da'wa n'est pas facile, Yerkhwan. Dire la vérité, c'est aussi quelque chose de très salé. C'est pas sucré. Les gens ne l'acceptent pas aussi facilement. Là, qui nous, notre fierté, et je vous le dis à Shabab de nouveau, pour que si la question revient, alhamdoulilah, vous avez la réponse. Nous, ce qui nous intéresse, Yerkhwan, c'est les anges qui sont avec nous. Les anges qui notent. Soyez fiers que les anges ont noté. Parce que le jour du jugement dernier, quand on sera justement l'un derrière l'autre à attendre, comme vous le savez, le jugement, certains vont vouloir s'agripper à d'autres et dire, Ya Allah, mon fils, il connaissait la religion, il ne m'a jamais conseillé. Le fils dira peut-être, Ya Allah, mon père savait, il ne m'a jamais conseillé. La fille va essayer de se coller à sa mère, à son père. Chacun va essayer de coller quelqu'un en espérant mettre ses fautes à lui sur le dos de l'autre. Chacun va essayer de le faire. Mais chacun dira aussi, nafsi, nafsi, d'abord moi. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a le principe, Allah d'Alik, fais en sorte que les anges ont noté que tu as fait la da'wa, tu as transmis, et toujours l'ard alikum, bil maw'id al-hasana, bil lati hiya ahsan. Hatta, regardez, maw'id al-hasana, trouvez des beaux exemples, très simples. Faites aussi une introduction, et shabab, asseyez-vous à l'aise d'abord. Des fois même, je conseille certains de nos jeunes, je leur dis, avant de parler directement à ton père ou à ta mère, fais minimum 1 mois d'arnaque. Parle-lui de l'intelligence qu'il a. Ce n'est pas un mensonge. Ton père est intelligent dans plein de domaines. Si on n'a pas ce tact-là de parler de l'autre, décris-le. Dis-lui, Mashallah, l'Ouali, regarde dans quelle situation je suis. Fiddin, Alhamdulillah, par la guidance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ta persévérance, ta présence. Même si tu vas me dire, non, comment ça, il n'a rien fait pour moi. Taqillah, quand tu étais petit, là, que tu croulais dans ton pampers, là. Personne pour te sauver, à part tes petits cris, là. Si ta mère, elle ne connaissait pas le langage des cris, tu coulerais dans le pampers pendant 3 heures. Maud. Boule puante. Wallah, toi qui fais le malin maintenant, Prada et tout le reste.
une petite boule puante, voilà, déposée, et tu cries. Al Adaw, il n'y a personne qui va t'aider. Jusqu'à ce que ta mère capte certains sointements spéciaux. Et là, elle se dit, on a des enfants, on sait ce que c'est. Attends, la mère, elle dit, même les hommes, ils ne savent pas c'est quoi. Attends, la mère, elle te fait, ah, ce cri, il est spécial, il les a fait. Hein, ceux qui ont, vous entendez ces phrases-là. Les hommes, ils savent parce que c'est. Il dit, comment, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, allez, je vais aller nettoyer. L'homme, il entend des cris, il croit que ce sont tous les mêmes. Non, 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 non. Eh bien, Coco, là, toi qui crois que maintenant, t'es, machallah, le grand Haïstad, il y avait des périodes où si ton père ou là, ta mère venait pas pour te porter, tu coulais sec. Et pas dans n'importe quoi, Allah. Imagine-toi la scène. Wallah, sbar, patiente. Et dis-lui, Alhamdulillah, t'as patienté avec nous, tu as fait l'être humain comme ça, il aime bien. Hatta même la preuve, Yeshabab, regardez. Il n'y a pas plus belle preuve. Allah, subhanahu wa ta'ala, il envoie qui? Moussa, alayhi salam. À qui? À Fir'aoun, celui qui a dit, Ana rabbukum al-a'la. À Fir'aoun. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qullahu quoi? Dis-lui quoi? Des paroles douces, qawlan. Layyina. Des paroles douces. À Fir'aoun. Wesh, ton père, il est Fir'aoun, ya akhi. Allah, vous allez me dire, ouais, il est aussi. Non. Que même s'il le serait, alors je te dirais, mets en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à Moussa alayhi salam. Voyez, Ikhwan, quoi qu'on fasse, qu'on tourne, on revient, quoi qu'il arrive à la douceur, t'as pas le choix. Wallah, et quoi que tu fasses. Et ici, voilà le frère, ça c'est bien, c'est aussi un moyen. Le frère, il dit, pourrais-tu faire des doigts pour mes parents? Ils ont atteint la 50e année et n'ont jamais commencé la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux. Et les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Ben ça c'est une manière, subhanallah, regardez. C'est très très bien. Il vient de nous donner, alhamdoukallah, un bel exemple. C'est de passer par la dua, par l'invocation. Des fois, subhanallah, tu peux parler, ils comprennent, mais il y a pas. Tu peux te dire, quel autre moyen je peux utiliser? La dua, l'invocation. Et vous voyez que c'est pas facile, Ikhwan. Et moi, je suis content avec ce genre de rencontre de questions-réponses. Il se peut que quand je viens de lire maintenant cette question-là, il se peut que le petit problème que tu as avec ton père sur une petite divergence sur est-ce que c'est sunna ou pas, je suis sûr que ça va te paraître maintenant très dérisoire, très petit. Vous serez étonnés, les gars. Il y a des personnes qui vivent des fois des situations catastrophiques. Et c'est pour ça que c'est très bien. Comme a dit Abu Huraira, radiallahu anhu, quand on est touché par un problème, il faut toujours regarder plus bas qu'au-dessus de soi. On ne va pas regarder chez les riches. Regarde toujours chez les pauvres. Tu verras que tu es à l'aise. Donc ça, c'est... important l'art d'alikum. Habbak Allah le dire, t'en as vu. C'est bien, ça commence la pratique. Il y a un frère qui a fait le système maintenant de, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que le professeur se montait sur une minbar et disait que penser de certains qui font certaines choses. Donc Jazaullah, il a fait le système, il a dit hein, qu'il faut rappeler, il a un ami qu'il aime beaucoup en Allah subhanahu wa ta'ala qui est ici présent. Et des fois, il ment, il te dit, non, non, je rigole. Il y a des jeunes qui font ça. Et ça, on a une responsabilité. Hein. Des fois, Drari, c'est vrai, il faut être honnête. Des fois, le copain, il vient chez toi, il te fait, oh, toi, tu regardes, pourquoi je rigole. Drari, ce qu'ils font, ils sont responsables face à un mensonge. Hein. Ils sont responsables. Et qu'est-ce qu'ils font? Caca, oh, non, ah, c'est un bon Drari, il rigole. Ouais. Non. Voilà, très bien, jazakallah. Ça, c'est la vraie mahabba. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que le frère, il y en a peut-être parmi nous qui sont tellement techniciens qu'ils sentent que la question, elle le touche. Peut-être que le frère, maintenant, il est là. Il doit se dire, purée, espèce de schmette, vendu, rapace. Bah, vendu comme ça devant tout le monde. Ah ouais, parce que je suis le seul qui dit, je rigole. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant à la sortie? On l'envoie un texto, schmette, rapace, si tu me vois, cada, non? Eh bien, la vraie amitié, cher frère, celui-là qui dit, je rigole, tu dois être fier de ce gars-là. Si jamais tu te reconnais, et que tu reconnais ton ami, wallahi, je te conseille, quand tu sors, embrasse-lui la tête. Il te sauve. Il te sauve. Parce que quand tu mens, c'est pas je rigole. Et Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, a lui-même été étonné quand il a entendu que certains vont être jetés le nez en avant. Ala manakhirihim, en enfer. Et Mu'ad ibn Jabal va entendre cette remarque venant du prophète, mais il va lui dire, takilatka ummuka ya Mu'ad. C'est pas plus grave. Ça veut dire, ta mère t'a perdu, il n'y a pas une chose qui va jeter beaucoup de personnes en enfer, si pas leur langue, ce qui sort de la bouche. Voilà, donc ce frère te sauve. Et jazakallah, frère. En faisant cela, au moins, alhamdoulilah, la nasiha, elle passe, parce que voilà, ce sont des moyens. Regardez la beauté de la sunna. Voilà pourquoi le prophète ça me faisait, parce que des fois, ça peut mieux passer quand c'est dans un rappel que si jamais des fois la personne va le dire en face à l'autre, l'autre il va. Vous savez que là, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils lâchent alors entre eux? Ah, quoi, ce type-là, purée, c'est pas rigolé. Il faut lui parler, c'est un bidon, ce type. C'est pas rigolé. Voilà. Il va même l'insulter. Il va même le traiter d'eux.
Parce que chez nous, maintenant, même avec le mensonge, on rigole. Ah, les blagues mensongères, ça, je t'en passe. Allez, vas-y. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Mon frère sort en boîte, mais il prie. Que faire? Doit-on tout le temps faire le rappel ou être violent? Non, la violence, quoi, vous avez remarqué, on est très chaud, nous. Ah, pour ça, quart de tour. Mais pour Qiyam Layl, tout le monde est très cool. Le stress, il n'y a pas, y a pas, ça bouge pas. Non, stress pour Qiyam Layl. Non, frère, calme, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Il n'y a pas de violence. Au contraire, tu sais que ton frère est un habitué des boîtes, par exemple le vendredi. Vous connaissez tous l'agenda des boîtes de nuit, hein, souvent le vendredi soir, le samedi, quoique maintenant il y a même des boîtes en semaine. Bon, on ne va pas vous donner des systèmes pour mieux vous renseigner, mais alhamdoulilah, maintenant il y a tous les styles. Et il y a même, depuis quelques... En vérité, ça date depuis quelques années, mais bon, il y a même des boîtes de nuit, 2 jours. Pour qui? Pour les filles maghrébines qui brossent en journée. J'en connais une dans une commune bien précise, wallahi. Où j'ai un ami qui travaille dans le social, à chaque fois qu'il y a une école qui appelle, ils vont là-bas dans la discothèque, c'est une discothèque de jour, remplie de Marocaines. La plupart, et de tout, hein, voilée et pas voilée, vous savez, pas le stéréotype, parce on a toujours chez nous en tête. Boîte est égale, Jangala, tu sais, la tête dans les. Non, 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 non. Le voile, maintenant, chez beaucoup, c'est devenu. Voilà, c'est l'habillement passe-partout. Ça veut dire, si je sors de la maison avec un voile, j'ai garantie totale, il n'y a pas de suivi, personne ne me suit, je suis à l'aise. Ça, je parle de ceux qui craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez de quoi on parle. Comme pour les garçons. Il y a des frères maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Wallahi. Ils sortent devant son père avec un khamis, un petit chapeau. Pourquoi? Ils me l'avouent. Il y en a, après, ils ont des remords, ils m'envoient un mail. Enfin, je suis hypocrite, frère. Ça, je suis pas bien. Pourquoi? Il me dit, ça fait 1 an que j'arnaque mon père. Je sors en khamis, comme ça, je suis sûr qu'il va ni m'appeler, ni contrôle, ni où tu étais. Pour lui, je suis avec des frérots. Et je dis, et quoi? Il me dit, tu connais Superman. Dès que je tourne le coin, on y va. Je vais chez Draré, on se change. On prend la voiture et on part en Hollande. Eh non, les frères. C'est normal. Comme a dit Aïcha radiallahu anha, quand il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a deux explications à ce hadith, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimullah. Il y a une première explication qui est si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et la deuxième, c'est si tu es devant une situation et qu'alhamdoulilah, il n'y a rien qui va gêner côté pudeur et autres, tu peux la faire. Donc imagine-toi. Donc ce frère-là, mesquine, premièrement, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Deuxièmement, tu connais, j'ai dit son programme. Fais en sorte, Allah irda'alik, que des fois, si jamais tu sais qu'il est dans le salon ou autre, fais passer des fois un CD sur l'enfer, une fois un CD sur le paradis. Si jamais tu trouves, par exemple, un autre conférencier qui a fait un CD sur les méfaits, hein, de tout ce qui est de la débauche et autres, un tas de choses comme ça, fais passer. Et la parole, toujours. Fais ton possible, chaque fois tu lui fais un rappel. Tu sais que c'est un abonné du samedi, chaque samedi attends-le devant la porte. Et commence comme on a dit. Commence par des belles phrases. Je t'aime en Allah. C'est pour ça que je ne te veux pas de mal. Dis-lui des phrases que, subhanallah, tu es habitué à toi. Le frère qui, alhamdoulilah, est dans la pratique, dis-lui, je ne voudrais pas le jour du jugement dernier entendre farullo. Je ne voudrais pas, frère, qu'on entende, prenez-le et enchaînez-le et en enfer, jetez-le. Je ne voudrais pas l'entendre. Et puis après, tu lui dis, Astaoudiaoukallah, salam alaykoum. Tu vas voir. Il va rigoler peut-être une fois, deux fois. Mais je t'assure, après quelques mois, ça rigole plus. Il y en a, alhamdoulilah, ça a marché. Et ils nous le disent. Ils disent, voilà, je suis revenu dans le droit chemin. Si ce n'était pas. Parce que bon, c'est vrai que nous, on a des phrases qu'on doit dire religieusement. On doit dire d'abord, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par l'entremise de. Il y a des jeunes, ils ne savent pas. Alors ils te disent, si ce n'était pas un frérot qui me casse à la tête tous les jours, je crois que j'aurais jamais arrêté. Alhamdoulilah. Parle-lui. Mais pas de violence, ya shabab. La violence, au contraire, ça engendre la haine, ça peut même engendrer l'arf d'une cassure ou bien une tuerie ou des trucs comme ça. Et troisièmement, celui que tu frappes, en général, il s'arrange à ne plus jamais te parler. T'inquiète. Et il s'arrange même à utiliser d'autres moyens pour que jamais tu apprennes comment il fait pour arriver à tel ou tel programme. Mon père est décédé depuis 19 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Ma mère s'était remariée. Mon beau-père nous traite mal, mais sœur et moi. Mes sœurs et moi. Et il nous demande de quitter le domicile. Il nous manque de respect. Que devons-nous faire? Vous revenez à ce qu'on a dit au début, subhanallah. Il serait important d'essayer de voir, mashallah, les frères et sœurs de votre père, rahimahullah. D'abord, si jamais vous avez un certain âge, mashallah, puisque ce qui est bien, vous en avez plus de 25 ans. Hein, le frère qui pose la question, plus de 25 ans, moi je vous conseillerais, l'ard alikoum, de voir s'il y a moyen
une discussion franche. Vous allez me dire qu'on l'a peut-être déjà fait. C'est ce que souvent on me dit, ah, mais je l'ai déjà fait. Donc faites une discussion franche. Ça ne va pas, vous passez à tout ce qui est les oncles, spécialement côté homme, les oncles, qui vont donc lui faire rappeler, ne fût-ce que l'Aman, c'est un dépôt. Vous savez, devenir un beau-père par rapport à des orphelins, c'est pas facile, ya Shabab. Wallahi. Peut-être que certains parmi vous qui ont un certain âge, ça arrive. Il y en a peut-être parmi nous qui sont mariés avec une femme donc, qui a des enfants et qui, subhanallah, donc, le père est décédé. Et ainsi de suite. Ça, c'est une responsabilité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es censé continuer l'éducation de ces enfants-là. Lakin, voilà, comme on le voit dans ce cas-là, ce qui est fait est fait. À ce moment-là, on vous dit, l'arda alikoum, passez par les oncles. Et si jamais, subhanallah, ça ne va pas, il peut arriver que personne de la famille ne veut aider, à ce moment-là, on vous dira que si jamais c'est un simple manque de respect, entre guillemets, qui est que, par exemple, il lève seulement la voix sur vous, insulte ou autre, comme on l'a dit, je sais que ce n'est pas facile, c'est stressant, c'est lourd. Mais il est préférable de patienter encore un peu et vous, entre guillemets, ouvrir la porte vers le mariage et de quitter la maison en étant marié que de se retrouver après seul. Là où il y a un cas de force majeure grave, c'est vrai que s'il commence, on a déjà eu des cas à frapper, des choses comme ça, c'est vrai. Il y a des aides, il y a des services sociaux, il y a du CPS, il y a un tas de choses. Prenez un appartement entre frères et sœurs, entre vous, 3-4. Mais moi, je n'irai pas là. Ça, c'est vraiment le cas le plus tordu à la fin. Essayez aussi, subhanallah, de prendre une fois la mère, mais c'est pas facile. On a déjà eu des mères au téléphone, elle te dit, c'est mon mari maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup de mères qui subissent le deuxième mariage. Vous savez pourquoi? Ça, les jeunes, ils savent pas des fois. Une femme qui est divorcée ou bien qui est veuve, avec 3-4 enfants. Je m'excuse du mot que je vais vous dire, parce que vous allez mal le prendre, mais dans notre métier, c'est ce qu'on a vu de nos propres yeux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle devient un déchet. C'est-à-dire, le gars qui la prend, c'est comme s'il lui a fait un plaisir. Je parle de celui qui craint pas Allah. Subhanahu wa ta'ala. On a des gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont repris des femmes divorcées, et mashallah, il a fait comme si c'était une femme qui n'avait pas eu d'enfants, et il a été plus loin. Il a fait comme si c'était ses propres enfants. Ils sont rares. Au centre, on en a eu des par paquet, qui au début acceptent la femme avec les enfants, puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des menaces. C'est pour ça que cette mère, ta mère, tu dois la comprendre, ce qu'il a. Des fois, il y a des maris qui menacent alors cette femme. Il dit, tu sais quoi, c'est tes gosses ou moi? Choisis. Allah, c'est très grave en islam, c'est haram, on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est une amana, tu as pris cette femme avec des enfants, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc testez un peu tout ce qu'on a donné comme exemple, et si vous arrivez vraiment à une limite et que vous lui avez parlé, et que ça ne va pas, et que vous me dites qu'il n'y a pas moyen que vous supportiez le manque de respect, à ce moment-là, même comme ça, on ne quitte pas la maison tout seul. Il faut absolument prendre conseil avec vos oncles, avec votre mère, ça c'est important. D'accord, Allah yarda alaykoum. Parce que vous n'imaginez pas, ce n'est pas facile de quitter comme ça la maison et de se retrouver seul. Satan, Allah, il ne demande pas mieux. Ma mère ne veut pas que je mette le voile car elle pense que je ne suis pas encore prête. Mais moi, je pense le contraire, je pleure toutes les nuits, mais je ne sais pas si je dois encore l'écouter ou le mettre, j'ai 16 ans. Ça, c'est parmi les questions qui nous viennent ces derniers temps et qui nous choquent. Avant, on disait que c'était les Belges qui nous obligeaient, certains, à ne plus mettre le voile. Ça, oulala. Certains même, ils insultaient. Maintenant tu donnes Al-Ki. Ah, mon Seba, frère. Et je me rappelle qu'avant, quand je le disais dans certaines conférences, Allah, j'ai eu des remarques de certains. Quand je disais, Ikhwan, arrêtez de critiquer toujours les Belges ou les autres. Il y en a chez nous. Vous savez ce qu'on me disait? À toi, fais attention, t'es un dangereux. Tu critiques les musulmans, tu critiques nos familles. Mais maintenant que les emails fonctionnent et les gens commencent à parler, les services sociaux commencent à ouvrir, on voit la réalité. Un gros pourcentage de ceux qui allument entre guillemets les Belges par rapport au voile, vous savez c'est qui? C'est de chez nous. Et la preuve, l'école où mes gosses étaient, ceux qui ont allumé le directeur, wallah, et avec preuve, hein, ce n'est pas des blabla. Ce n'est pas le directeur lui-même. Le directeur a sorti tous les courriers. C'était des filles marocaines qui ont été allumées le directeur. Là, on se fait tabasser. Et nos parents nous menacent. Et on a, sauvez-nous, monsieur le directeur, sauvez-nous. Ah, sauvez-nous. Et qu'on a été faire une noix avec lui, il a sorti tout, il a dit, mais regarde, c'est tout un groupe de filles immense qui est venu, qui nous a dit, écoutez, il faut nous sauver, vous remettez. Bon, vous avez bien le entourloupage, hein, mais c'est rien. Et voilà. Et ici, on a la preuve. T'as subhanallah ta fille qui veut la pudeur, mashallah, qui veut, hein, et on a des fois des parents, m'sakin. De nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez quelles équations on a, Yaïkhwan? Imaginez-vous. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, alhamdoulilah, chère sœur, mets ton voile. Elle va se fâcher, elle va commencer à dire t'es moche, t'es ceci, t'es cela, mets-le.
Si jamais, wal a'oudhou billah, si on arrive à des tartes ou à des coups, et ça j'ai déjà eu, on a déjà eu. Et tout ça avec preuve. Hein. Allah, gardez ça en tête. Moi, quand je vous parle d'exemple, c'est une dizaine d'années au centre. Avec, au début, on téléphonait. Moi, le frère Mustapha Hafidhahullah Kastid, on appelait les familles. Après, on a arrêté. Parce qu'on a eu des insultes. On a eu des. Je vous en passe. On a eu même des fils d'eux. Fils d'eux, hein, au téléphone. Allah. T'appelles le père, il te fait Aoul de Kada. Et des mères qui insultent. On a eu de tout. Tu dis, ouais, je suis imam, merkezi sami, Allah, al babakum, Allah, atin babakum, Allah, fa'al. Chicholkum, c'est pas vos affaires. Ruina. Donc, chère sœur, si jamais la mère arrive, et ça existe, ou le père arrive à frapper, à ce moment-là, si tu l'enlèves, c'est eux qui sont responsables auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Jamais moi, je prendrai la responsabilité, je ne suis pas un moufti d'aller te dire de fuguer ou de partir ou autre. Ça, jamais de la vie, je ne peux pas. Ça, t'as qu'à appeler le centre et tu vois avec la direction ou autre. Mais quasi en général, je les connais par cœur, ils ne donnent jamais cette fatwa-là. Donc, c'est eux alors qui sont responsables. Lakin, alhamdoulilah, mets-le et avance étape par étape. Hatta même certaines sœurs ont été conseillées qu'en sortant de la maison, parce qu'il y a des sœurs là qui, des fois, le matin, la mère donne des tartes. Elle lui arrache les cheveux, hein, lui enlève le hijab, elle lui donne des coups de pied et tout, en lui disant, oh, lama, tu sors comme ça. T'es khanza, t'es sale, et ouais, je vous en passe des détails. Et conseil a été donné à cette sœur de sortir. Normal, elle tourne le coin, elle met son hijab, la'aoun. Ça, c'est des cas à part. Ce sont des situations à part pour des sœurs à part. Rien à voir avec ce qu'on appelle des réponses générales. Parce que vous n'imaginez pas ce que certains vivent dans la communauté. Des fois, des situations catastrophiques. Et il faut en parler. Moi, alhamdoulilah, même si c'est un domaine que j'aime pas trop, de parler comme ça de choses négatives, mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? Nous, on a eu un bienfait au centre qui est peut-être un bienfait, mais d'un autre côté, ça a été psychologiquement un mal immense. Ça nous détruit d'un certain côté. Mais d'un autre côté, ça a été un bienfait parce qu'on a vu la communauté de l'intérieur, dans la réalité. Parce que quand on est comme ça, vous voyez maintenant, tout le monde est beau. Chacun d'entre nous a ses dossiers. Et là, vous serez étonné. Chacun de nous, certains, il y a la guerre. Certains, ils sont déjà au nucléaire. Et là, c'est comme ça. Mais quand il y a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on avance. Mais quand il y a des situations comme ça, ou même ce qu'on appelle les gros points de la religion sont balayés, ça c'est grave, comme vous le remarquez. Voilà, ça c'est aussi important. La personne dit, j'ai été élevé avec mes cousins, comme si c'était mes frères. Étant petite, on se faisait la bise. Je me dévoilais devant eux, etc. Maintenant que je me suis rangé, entre guillemets, comme dit la personne, dans le dîn, et que je dois tous les revoir dimanche à l'occasion de l'Aïd, Inch'Allah, je ne sais pas comment leur faire comprendre, je ne suis plus la même et que je ne leur ferai plus la bise, des conseils, barakallahu fik. Ça c'est, des fois pour taquiner, je rigole, je donne deux réponses. La première qui est la tout à fait normale, et c'est, vous la connaissez, c'est que la personne va venir, tu dis, smahli, excuse-moi, la petite que tu connaissais a grandi. T'es poliment, la petite que tu connaissais, elle a grandi. Et toi qui es mon cousin, si on était comme des frères, c'est parce qu'on était petits. Mais maintenant, on devient des personnes qui sont en droit de se marier. Donc on doit se mettre des limites. Voilà, tu commences avec lui comme ça. Excuse-moi. La personne va me dire, ouais, mais il y en a 50. Alhamdoulilah, c'est ton petit jihad le dimanche. Chaque fois qu'un viendra, tu dis, chauffe, petit oiseau est devenu grand aigle. Et tu changes, tu rigoles, traroué, t'avances, mais poliment, tu restes dans tes limites. Hein, et tu avances, voilà. Si jamais tu me dis, non, chez nous, c'est la honte, c'est catastrophique. Une fois, j'ai conseillé une sœur, elle l'a mis en pratique, mais c'est dégueulasse. Il faut avoir le courage de le faire. Et j'ai même conseillé ça à des garçons aussi. C'est que quand tu vois le frère arriver, et que tu sais que ce cousin d'office, il va vouloir aider, tu mets ton doigt dans ton nez. Vous rigolez, ça vous paraît bizarre. En général, c'est répugnant. C'est-à-dire le type qui est venu avec l'intention de te donner la main ou de t'embrasser, t'inquiète, de loin il va te faire. Ça va? Ça a été le mouton, oui. Bon aide, hein. Continue à gratter seulement, il n'y a pas de problème. Creuse. Voilà, j'ai donné ce truc-là et ça a marché dans plein de situations. Allah l'adim. Ah sérieux, serais étonné. Et on est passé par là, la kulihal. On va. Ceux qui ont compris, ils savent. Il y a des situations, tu n'as pas le choix. Il est arrivé dans certaines situations, je ne vais pas donner trop de détails. Où tu as certains qui collent, parce qu'ils te voient barbuchon, ils se disent, celui-là, je vais... Des fois même, côté femme, ça arrive dans un boulot, n'importe. La personne, tu lui parles, tu dis, une fois, on l'a fait, la personne vient, je fais, oui, c'est pour.
Excusez-moi, je... Ah, excusez-moi. Dis désolé, parce que ça pique purée, je ne sais pas. Mais dans les 2 minutes, je... c'est tout Allah aoun. Oui, si tu as un frérot que, subhanallah, tu lui fais comprendre haram, on ne peut pas, le contact, le cadre, ça ne passe pas. Il reste les moyens naturels. Et ça, subhanallah, ya shabab, ça ne veut pas dire que ce garçon, il est mauvais, ou ses cousins sont mauvais. Mais de nouveau, qu'est-ce que ça nous prouve? Qu'il y a un problème même dans l'éducation chez les parents, manque de connaissances religieuses. L'éducation, regardez, c'est une drôle de phrase, parce que quelqu'un pourrait dire, ma'oudou billah, au contraire, les parents ont bien éduqué, je parle religieuse. On n'est pas au courant. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup dans nos familles, hein, cousins, cousines. Et souvent, on nous dit, maintenant qu'il y a des conférences même en français, kada, certains commencent un peu, des fois même, entre guillemets, à se fâcher. Ah, ils disent, oh, subhanallah, subhanallah, kulchi haram, tout est haram, purée, même la cousine, aoudal est haram. Qu'est-ce qui reste de halal? Et une fois, j'ai dit, ah, je dis, mais sois logique, purée. La cousine, elle a toujours été halal. Mais pour le mariage. Elle a toujours été, c'est pas moi qui ai inventé la règle. La cousine a toujours été halal pour le mariage. En dehors des autres communautés qui trouvent les mariages cousins-cousines interdits, entre guillemets, ou bien que ça ne se fait pas, ça c'est une autre situation. Mais sinon, chez nous, ça, la cousine a toujours été halal pour le mariage. Mais c'est parce qu'on a tellement, entre guillemets, mis avec l'amitié dans la famille, et des fois, quand ils sont petits, on n'a plus mis de limite à un certain âge. Ah, il faut, même nos enfants le savent. Par exemple, nos enfants, ils jouent avec les petits cousins et cousines parce qu'ils sont encore petits. Mais des fois, maintenant, par exemple, j'en ai un qui grandit, ben on commence à le prévenir petit à petit. Voilà, sache que, cousine, c'est tout, fini. Des fois, ils sont étonnés. Tu fais, mais subhanallah, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Non, fini. Petit à petit. Ça ne veut pas dire que si jamais elle passe, tu ne vas pas lui dire, ça, ma cousine, comment tu vas, ou l'aider. Il y a du respect, il y a des limites, il y a un tas de choses. Parce qu'il y a aussi certains jeunes qui ont mal compris le sujet. Moi, j'ai été des fois invité en Arabie chez des mashayikh, wallah, et des fois, après certains cours, je me rappelle quand on était à Riyad, et le gars, t'as par exemple des membres de la famille qui passent, bon, ils sont niqab et tout, hein, et la personne, il demande. Après, il me fait, ouais, ça, ce sont des proches du côté de mon épouse. Alors que nous, on a le stéréotype en tête que non, en soi-disant, ça, ils ne parlent pas et c'est fini. Mais on a des limites. Par exemple, le jour de l'Aïd, subhanallah, la cousine va passer dans le salon pour aller chercher quelque chose, elle va dire, salam alaykoum, cousin, vous allez bien, kada kada, me dit pas, ah, vas-y, Satan, bouge. Ah non, smahli, ça y a pas. Parce qu'il y en a autres qui ont mal compris le sujet. On a un juste milieu. En islam, on n'a pas d'accord, commencé alors à sympathiser, tu t'assieds à côté, on discute, on rigole, ou bien on donne la main, on donne la bise, là, là. Pourquoi? Parce qu'alhamdoulilah, c'est un bienfait. Vaut mieux prévenir que guérir. Elle est licite pour toi. Le fait qu'elle est licite pour toi, alors à ce moment-là, on te dit, hein, mets un écart. Comme ça, il n'y a pas des sentiments qui s'installent et ainsi de suite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, donc nous connaît mieux que n'importe qui. Inch'Allah, donc ici, lorsque je fais la da'wah à la famille, souvent, on se moque en disant, ah, le hajj, il parle encore. Vous voyez? Et donc ça, c'est tout à fait normal. Vous avez remarqué, c'est répétitif. Tout à l'heure, on a dit l'intégriste, kada, maintenant on lui dit, ouais, il fait le hajj. Il y en a d'autres, des jeunes qui disent, ouais, il fait le muse, ça avec le musulman. Il y a plein de drélis. Spécialement, la question n'est peut-être pas venue, mais je peux la lancer. Il y a certains qui me disent, ouais, il y a des gens... Je me sens responsable vis-à-vis d'eux de la da'wah parce qu'avant je déconnais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils me vdah ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, tu viens chez le jeune à la cour, toi tu parles avec l'ange, là et tu dis, copain, là ça se fait pas, parle pas aux filles et tout. Reste dans tes limites. Respecte le corps de la femme et tout. Et le type il crie. Ah, toi quand tu sortais, quand tu faisais, comment ça vdah? Toi c'est. Qu'est-ce que tu veux? C'est quelqu'un qui. Qui s'attend à Allah, là encore sous son emprise, ne va pas te fâcher contre lui. Parce que alhamdoulilah, il n'a rien dit de spécial, étant donné que même les autres drèles, ils le savent, donc il n'y a pas de problème. Et même si jamais ils ne le savaient pas et qu'ils vont te dire, tu dis, na'am, voilà, alhamdoulilah, voilà la ni'ma, le bienfait de l'islam. C'est de pouvoir ouvrir ses yeux avant sa mort. Et tu peux devenir même un da'i, un prédicateur vis-à-vis de tes autres copains qui ne le savaient peut-être pas. Alhamdoulilah. Tu es un exemple même pour eux. Mais comme vous le remarquez, c'est des choses qui reviennent souvent. Donc, donc là, la personne dit, on est deux filles voilées, on a une copine à nous, elle ne porte pas encore donc, le voile depuis qu'on la connaît, elle fait rien de mal, elle se comporte bien, etc. Mais depuis une semaine, elle parle avec un garçon au téléphone, on ne sait pas comment lui dire d'arrêter sans qu'elle ne prenne mal. De nouveau, ne spéculez pas, oubliez ça. Oubliez les spéculations. Je crois que il va arriver que, je pense que là, vous le principe, Allah, et les filles, subhanallah,
elles connaissent très bien ce domaine-là, parce que c'est plus elles qui se font arnaquer que les hommes, et vous le savez. Donc elle accepte des fois ce genre de discussion. Falhamdulillah, dit lui, voilà, chère sœur, tiens, et spécialement, il y a tellement de conférences, tellement de CD, essayez d'en trouver un qui parle un peu sur les portes, les stratagèmes de Satan, fornication et autres. Il y en a, et tu peux lui offrir un bel emballage avec une petite lettre. Voilà, moi qui pense à toi, tu es comme ma sœur, le mal que je voudrais pas qu'on me fasse, je veux pas qu'on te le fait. Tu vois, des petites phrases comme ça, qu'on apprenne un peu à, mashallah, devenir des spécialistes de la da'wa comme ça, avec des simples petits mots, et tu lui offres ça. Ou bien tu discutes avec elle et tu lui expliques, tu dis, chauffe, wallah, je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, et sache que notre amitié ne peut pas être une forme d'hypocrisie. Ça veut dire qu'on est amis que quand on se dit rien de spécial. Ça, c'est un gros problème. Quelle est-ce qu'est la définition de l'amitié chez nos jeunes aujourd'hui? C'est quoi la définition? Tant que tu m'embêtes pas, là, alors on est amis. La vraie amitié, c'est si je te vois faire quelque chose qui va mener dans le haram, je te fais un conseil. Et l'inverse, la même chose. Ça, c'est un vrai ami. Et là, tu lui dis. Tu dis, voilà, on te veut le bien. Tu sais très bien, chère sœur, où est-ce que ça mène ce genre de relation? Hein, même si tu dis, il n'y a rien, on fait que parler. Voilà, mais imagine-toi s'il arrive ceci ou cela. Et parle-lui aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Rappelle-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala la voit. Dis-lui, est-ce que tu te sens pas mal à l'aise qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit au moment où tu fais cela? Et tu sais très bien que. Et voilà. Et tu lui dis la chose. Il ne faut pas spéculer et rester donc silencieux sans dire la vérité. Mes parents ne me parlent plus. L'école que. Mes parents me parlent plus. Ah, mes parents me parlent plus de l'école que de l'islam. Ils me disent. Alors, ça s'est bien passé à l'école, au lieu de me dire, est-ce que tu as fait tes prières, etc. Ben, il n'y a pas de problème, cher frère. Eux, dès qu'ils vont te dire comment ça va à l'école, entame en disant, avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça a été, parce qu'alhamdoulilah, mes parents, vous qui m'avez appris comment prier, kada, c'est ce qui fait que, mashallah, je. Il n'y a pas de problème, apprends à être un technicien de la psychologie inversée, hein. Qleb la phrase. Et fais-leur comprendre aussi, hey, papa, Allah, si tu me demandes de temps en temps sur ma prière, ça va me rebooster un peu, ça va me remonter le moral, parce qu'au moins, ça va me rappeler que j'ai des obligations durant la journée. Ah, on a perdu ce dialogue, nous, hein, père-enfant. Hein, difficile chez nous, spécialement tout ce qui est l'Afrique du Nord. Hein. On a chez nous que donne, tiens. T'as pas, vous connaissez, t'as pas 5 euros. T'as pas, ça, c'est un groupe qui parle comme ça. Et alhamdoulilah, on a un autre groupe, mashallah, qui depuis. Des générations, et j'en vois des fois, Allah, j'en vois des fois, tu vois des parents même âgés, et ils rigolent, cada avec le type et tout. Et des fois, tu demandes au gars, parce qu'on le connaît du quartier, tu lui fais, tu dis, tiens, le vieux, je l'ai jamais vu, tu vois, ça c'est mon grand-père, il est venu du bled. Tu dis, subhanallah, on aurait dit un copain. Ah, le grand-père âgé, il le pousse dans la rue, il rigole, il parle, tu dis, peut-être. Donc, il y a aussi des familles, mashallah, qui ont depuis des années, des générations, opté. Tout ce qui tourne autour du dialogue. Mais ça ne court pas les rues. Alhamdoulillah, fais ton possible pour le rappeler ça de temps en temps. Fais-le comprendre aussi à ta maman. Hein, des fois, ça passe plus facilement par la mère que par le père. Il dit, j'ai besoin de vos conseils des fois. J'ai besoin que vous me remontiez le moral par rapport donc à ma religion. C'est bien que vous me demandez par rapport à l'école, est-ce que je vais réussir? Et là, vous le faites comprendre. Tu dis, ça, c'est la réussite ici-bas. J'ai envie que vous me demandiez par rapport à ma réussite dans l'au-delà. Et toi, tu peux être l'acteur, subhanallah, de la discussion, loin de là. Comment la famille musulmane peut vivre entre valeurs de conservateurs et progrès de la société? Surtout, certaines bonnes coutumes ont tendance à disparaître. Attention, il y a deux idées ici. Hein. Comment la famille musulmane peut vivre entre valeurs de conservateurs et progrès de la société? L'islam n'a jamais été contre le progrès. Même si, vous savez, la société est faite aussi d'êtres humains. Ces mêmes êtres humains qui peuvent être musulmans et qui peuvent être même des acteurs dans cette société-là et même des consommateurs de ces progrès-là. Donc le musulman se retrouve dans toutes les sphères. Mais c'est vrai que des fois, certaines familles, effectivement, peuvent fermer la porte et rester que dans un système de tradition. Et d'autres familles, comme on le remarque, peuvent des fois délaisser certaines traditions. Mais cette question demande un peu plus de détails, comme par exemple, quel genre de tradition ou bien quel genre de bonne tradition ont tendance donc à disparaître. C'est vrai que par exemple, mais je ne sais pas ce que c'est l'idée de la personne, parmi certaines traditions qui nous faisaient plaisir et qui renforçaient, subhanallah, le lien, les liens de famille, et wallah, ya shabab. Il y en a peut-être parmi vous qui le font encore dans leur famille. C'était ce qu'on appelle entre guillemets le fameux couscous du vendredi. C'est peut-être bête, hein? Mais il était important. On le remarquait. Parce que je me rappelle, Anna, une des choses qu'on discutait directement, vous savez, c'était quoi? C'était le sermon du vendredi. Parce que quoi qu'il arrivait, tu avais minimum
un, deux ou trois qui soit été prépensionné ou bien au chômage ou bien avait congé ce jour-là. Donc il nous expliquait le sermon du vendredi puisqu'on était à l'école. Et après ce sermon, il y avait des débats. Et des fois, on parlait de certains problèmes. Et l'autre, il taquinait l'oncle en disant, « Parle à mon fils, là, il fait le tordu. » Et subhanallah al-adim, il y avait une belle ambiance comme ça. Et les cousins étaient là, les fils d'oncle. Et puis, on a grandi, grandi, chacun s'est marié. Je crois que vous l'avez remarqué. La plupart maintenant des familles, dès que les grands se marient, fini. Les parents commencent à partir au bled et revenir. Et il y a un tas de choses qu'on a perdues. On est devenu, vous savez, là, je le dis, et j'en prends la responsabilité. On a rigolé, entre guillemets, parce que nous, les Marocains, on appelle ça les Flamands, et avec les Belges. On a rigolé des Flamands. Et on est devenu des purs Flamands. Tipi rentre à la maison, sa douche, s'assied devant la TV, son petit café. S'il reçoit deux appels, il stresse déjà. Oh purée. Et s'il reçoit un troisième qui dit « J'arrive », non, je suis mourant. Viens pas demain, demain. Demain, je suis mourant, je suis pas bien. Mais tu sais, pépère. Et nous, on rigolait de nos voisins belges. Des fois, on disait « Mais Jean, tu sors plus ?» Je fais, non, moi, 9h, c'est tout, hein, copain. 9h, on ferme la lumière, hein, à l'aise, tranquille. Maintenant, il y a plein de jeunes, notre génération, c'est devenu comme ça. Rentre à la maison, même la prière en groupe à la mosquée, chatte, rien, rien. Et s'il vient prier, vous avez remarqué comment on prie, nous. C'est nefsi, nefsi, hein. C'est chacun pour soi. Encore un peu, on va acheter des territoires. S'il fallait les vendre, Allah, les gens achèteraient leur place. On vient, Allahu Akbar, Samzam, toutes les chaussures, maison. C'est vrai ou pas, les gars? Alors qu'il y a encore des mosquées au bled, quand on va, subhanallah, tu retrouves les gens avant la prière, ils sont assis en groupe, et ils parlent, ils discutent. Où sont les jeunes qui le font à la mosquée? Vous avez remarqué, qu'on soit honnête, ils le font? Est-ce qu'ils le font? Un gros pourcentage vient déjà par la mosquée prier. Et ceux qui viennent, jazahumullah, ils discutent seuls. Soit ils lisent un peu de Coran, c'est bien. Hein, soit, si les jeunes partageaient un petit peu certaines choses, hein, il y a des conseils qui pourraient passer, et ainsi de suite. Mais que voulez-vous? Allahu ta'ala alam. Ça, c'est autre chose. C'est normal, les jeunes et les parents donc, doivent, c'est ce qu'on raconte, hein, doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la famille. Les deux. Hein, les deux doivent absolument le faire. Dans la salle, ne sont pas, donc beaucoup de frères dans la salle ne sont pas assidus dans leur prière. D'autres la négligent. Vous voyez, hein, quels sont les conseils? On vient de le dire. Donc ça, c'est quelque chose, Erwan, si vous voulez, qui est un bien par rapport à tous les problèmes qu'on vit. Il faut aussi que nous, on soit droit dans notre pratique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Voilà », dans le rappel, on te dit « Va tout droit ». Et toi, tu prends un autre chemin. Attends-toi, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vis une vie éprouvée, remplie de problèmes, Erwan. C'est pour cela que la prière, ça c'est quelque chose d'intouchable. Est-ce que ne pas se mettre en colère veut dire qu'il ne faut jamais se mettre en colère, même si la personne d'en face ne vous donne pas, même si en face de vous n'a pas de raison? Oh, qu'est-ce que ça veut dire que la personne en face n'a pas de raison? Puisque soit logique, il y a deux situations. Soit il est vraiment fou, et là tu sais très bien que tu n'as pas le droit de te fâcher sur lui, puisqu'il est responsable. Il est irresponsable, et vous le savez. C'est toi alors qui deviendrais fou si tu te mets en colère sur un irresponsable. Et d'un autre côté, s'il n'a pas de raison, ça veut dire que, si je peux comprendre de toi, que la personne, subhanallah, tu vois très bien que tu lui apportes des preuves et tout, il ne veut pas comprendre. Ou bien, il fait semblant d'eux. Ce que je veux te dire par là, frère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mettait en colère pour les choses de la religion, d'office. Jamais pour lui, mais pour les choses qui touchent la religion. D'accord? Ici, subhanallah, vous êtes dans un dilemme. Une personne aujourd'hui, c'est très simple. Et je m'excuse de le dire parce que ça peut paraître étonnant. Même des parents se plaignent. Ils te disent, Wallah, et si jamais j'ai le malheur de le taquiner un peu trop fort par rapport à certaines choses qu'il ne fait pas dans la religion, il me dit, le gosse, il boude pendant une semaine. Il passe, salam alaykoum, il monte dans la chambre. Alors il y a un drôle de problème, c'est lequel? Est-ce qu'on doit descendre la barre trop bas? Ou bien est-ce qu'on va la monter trop haute et puis il y a une cassure? Où est le juste milieu, Shabab? Comprenez ce que je veux dire. Il y en a peut-être des jeunes parmi vous qui le vivent. À l'inverse, ça veut dire que peut-être parmi vous, certains ici, mashallah, pratiquent et autres, mais ils estiment que leurs parents n'ont pas de raison. Ça veut dire, je lui parle, je dis « Abi c'est haram, Abi c'est kada », il veut rien savoir. Continue dans l'innovation, bien il va voir des charlatans. Qu'est-ce qu'il fait alors le gars? Dès qu'il rentre, c'est « Assalam ala man ittaba al-huda ». Oups, il monte dans sa chambre, c'est comme s'il parle à des mécréants. C'est tout. Ils montent dans sa chambre,
Même pour manger, il te dit non, je ne mange pas le roux, il mange. Ça existe. Où est le juste milieu? C'est pour ça que la colère, Yéhouan, dans le domaine de la da'wa, ça reste un avis que nous on donne. Parce qu'on est, on le teste et on voit que, alhamdoulilah, je donne un simple exemple, Yéhouan. Allah, et Dieu en est témoin, ce n'est pas pour le remettre, pour se plaindre par rapport à Msakin ou prédicateur, mais vous savez très bien, et vous voyez ça sur Internet. Combien de jeunes, des fois, vous envoient des emails, on va dire entre guillemets, insultants. Il y a moyen que tu répondes avec la colère. Il y a moyen que tu essayes de défendre ta personne. Mais vous savez très très bien, qu'est-ce que tu gagnes derrière? Qu'est-ce que tu gagnes derrière? La colère, wallah, n'amène que des problèmes. Ça ne veut pas dire que moi qui vous parle, là, on ne tombe jamais en colère. Non, mais c'est quelque chose qui touche tout être humain sur terre. Là, qui l'on se bat et on fait son possible pour ne pas y arriver. Mais ce n'est pas facile. C'est un entraînement journalier. C'est aussi un peu voir ta vie, comment est-ce qu'elle est faite. Et le stress qu'il y a autour, et ta santé, tout ce qui tourne autour. La colère, en général, est quelque chose qui n'amène jamais rien de bien. Mais si, alhamdoulilah, tu as un petit coup de colère dans le domaine religieux pour expliquer une situation en disant, écoutez, ça ne va pas, subhanallah, taqiyullah, et que tu montes un peu la voix, alhamdoulilah, c'est bien, fais-le. Fais-le, c'est important. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le dernier échappatoire, vers la fin. Commence d'abord par tous les bons moyens. À ce moment-là, s'il faut arriver un petit moment à parler un petit peu sec et dur, là, profites-en. Comme c'est vrai qu'il commence à faire un peu tard, je voulais faire une annonce avant de clôturer avec les quelques questions qui restent. Il y a l'association des frères et sœurs convertis. Ils ont fait une belle initiative, subhanallah, dimanche, le jour de l'Aïd, de 10h à 13h. Ils invitent tous les frères et sœurs convertis. Donc si vous en connaissez, ou bien s'il y en a parmi nous ici aujourd'hui, ils ont fait une petite fête entre eux. L'idée, elle est bien. Je sais que quelqu'un pourrait critiquer à la seconde en disant « Oh là, ça commence avec les ségrégations, les convertis tout seuls, les cadavres. » Non, je leur dis bravo, parce que ça fait des années, même au centre, je le disais, chaque dernière conférence avant l'Aïd, pendant des années, je faisais moi la conférence. Et je demandais toujours, il y a les parents, il y a les frères et sœurs, faisons des fêtes pour nos frères convertis. Après notre fête, par exemple, nous le matin, Tadbah Hamouton, l'après-midi, que toutes les mosquées fassent une fête où les frères et sœurs musulmans viennent, avec aussi les frères et sœurs convertis, par exemple, du quartier. Jamais on le fait. À part un endroit ou deux et encore. C'est vrai ou pas, les frères et sœurs? C'est comme pour dire, nous, on dbah, on est à l'aise, on est heureux, mais Jean-Jacques, laisse-le crever, là, ce jour de l'Aïd. Ah ouais, déjà, son père, il pive pas, sa mère, je t'en parle pas, la famille, c'est à l'aise, il va chez qui, ce jour-là? Il appelle Abdel, je suis occupé, frère. Je peux passer chez vous après-midi? Non, on est en famille, frère. Des convertis me le disent, je vais où, ce jour-là? Même le lendemain, je vais où? Enfin, les frères, ils l'ont fait, ils ont fait une fête. Et après, Inch'Allah, ça, alors, c'est un conseil. Ça serait bien. Une fois qu'eux, ils lancent cette initiative et que les mosquées s'habituent, pas que les mosquées, hein, même les familles, les voisins, c'est bien que chacun se renseigne un petit peu. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, c'est bien de se mélanger. Parce que je connais les frères, c'est des gens, alhamdoulilah, assez intelligents. Ce n'est pas des styles qui font ça pour faire ce qu'on appelle la New Corporation for the Convertition et compagnie. Hein. C'est une invention anglaise que je viens de... J'ai un anglais très spécial, je serais étonné. Donc non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'ils inventent un nouveau groupe là, spécial là. Mais c'est une réalité, parce qu'un des frères, je le connais très bien, des années que j'ai fait des appels, je ne parle rien qu'au centre et autres, et à chaque fois que l'Aïd vient, nous, les musulmans de souche, on les oublie, les convertis. Wallah, c'est une habitude. Mais que voulez-vous? Et ils vont le faire, Inch'Allah, au centre culturel Averroès. C'est, vous sortez Métro Ribeaucourt, boulevard Léopold II, au numéro 97. Et si vous avez de quoi écrire, le téléphone est très facile du frère qui s'occupe de ça, c'est 0475 3x24. Très facile. 0475 24 24 24. Ça va, je laisserai le petit bout de papier jaune pour les frères qui connaissent des convertis et qui voudraient leur donner. En vérité, c'est honteux. Normalement, les frères qui connaissent un converti, ils l'invitent. Mais bon, s'il y a un problème, c'est vrai que des fois, il n'y a pas peut-être moyen, Allahu alam, ben, vous donnez le numéro. 0474 24 24 24. Et Inch'Allah, pour aller plus loin et plus vite, on a encore 10 minutes et on clôture, Inch'Allah. Allah zikbikhir. Allah hafdak, frère. Allah hafdak. Moi, il y aura de la fête un peu. Ça va. Voilà, ici la même chose. Père qui ne prie pas, il a plus de 50 ans. Et on lui parle souvent, mais il fait un déni de toutes ses remarques. Que faire? Donc, je ne veux pas qu'il meure dans cet état. Vous voyez? Alhamdulillah, continuez. Ça, on a déjà répondu à cette question. Continuez. Ma mère me reproche souvent de trop être occupée dans le din, elle dit. Et elle en dit... nous, elle dit que je ne me profite pas assez d'elle. Mais quand elle me dit ça, je ne comprends pas trop comment lui faire plaisir tout en continuant à rester active dans le din. Ça, c'est drôle comme question.
normalement, les jeunes, même si vous êtes dans le domaine actif, associatif ou autre, alhamdoulilah, il faut faire la part des choses. Il faut faire son possible pour donner aussi certaines heures pour votre famille, pour vos parents, pour vos proches. Ça, c'est important, eh, Shabab. Et comment faire plaisir à ta mère? C'est aussi des fois en s'asseyant, en discutant avec elle. Parle-moi de ta journée, maman. J'ai envie de te parler de ma journée. Ou bien même sortir avec elle. Subhanallah, c'est une fierté de voir une fille ou bien un garçon qui prend sa mère et dit, tiens, on va sortir faire un tour. Ce qu'on fait, ça, chez nous. Ceux qui achètent les voitures, là, sahab 19, 20 ans, là. Le dame avec des copains, avec des djoua avec toi qui donnent 1 € pour l'essence. Ils partagent 1 litre en quatre. Prends ta mère aussi avec toi un peu. Ah, c'est vrai, on a des. Wallah, très, très belle question. Ça, vous voyez, les questions, ça ouvre plein de. Ça, c'est une responsabilité qu'on a face à nos parents. Quand des fois, nous, on arrive à un certain âge et on croit que ceux qui sont importants, c'est que les copains. Vous avez remarqué, alors, il y a un gouffre entre nous et les parents, non? Où sont les jeunes qui sortent comme ça, des fois, avec leur père? Même moi qui vous parle, hein. Regarde, à cause de ce métier, on croit qu'on a une excuse. C'est vrai, maintenant que tu me dis, le frère, je te remercie, ou la soeur, je sais pas, je sais plus quel paquet je l'ai pris, je les remercie. Même nous, on s'oublie. On fait des conférences, on court comme des malades à gauche, à droite, mais quand tu réfléchis, sur 2, 3 mois, tu n'as jamais pris ton père l'un à côté de l'autre et tu marches ou tu discutes. Bon, là, c'est honteux. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, subhanallah, retrouver, parce que de nouveau, c'est ce qui unit, c'est ce qui renforce, et, vous serez étonné, c'est ce qui fait en sorte aussi que les disputes même diminuent, parce que tu as plus tendance à parler. Mais de nouveau, je sais, quand on vient faire ça après 20 ans, alors qu'on ne l'a jamais fait, on trouve toujours ça dur. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que tu as à perdre de commencer la première fois? Première fois, peut-être ta mère va rigoler. Peut-être ta mère va rigoler. Voilà, quand tu veux dire à ta mère, Walida, habille-toi, on va faire un tour. Qu'est-ce qu'il a celui-là aujourd'hui? Hein? C'est rien. Ça va peut-être rigoler la première fois. Fais-le, Wallah, fais-le pas. Ah, des fois, on a des drôles de rêves, mais que voulez-vous? Inch'Allah, ça va venir. On a des drôles de rêves, au lieu de voir des garçons avec des filles dans le haram, mets une femme halal à côté de toi, ta mère, ta tante, ta grand-mère. La grand-mère, elle est déjà condamnée chez nous. On ne parle même plus de la grand-mère. C'est vrai ou pas, les frères? Même quand on descend au Maroc, on a des fois toutes les tantes là-bas, ou les grand-mères là-bas. T'as déjà vu? Moi, j'ai. Mais bon, j'en ai vu quelques-uns, et là, je parle de là où j'habite. C'est rare quand d'aller descendre avec des décapotables de dernière 300 ou 200 Mercedes, que tu vois une vieille de 100 ans assise à côté au premier siège. C'est rare, ça, chez nous. C'est impensable. Ça, c'est. Wallah, et je remercie la personne qui a posé la question. Ça, c'est une responsabilité, subhanallah, de donner du temps comme ça, hein, à nos parents, alors que nous, les jeunes, on croit qu'on a été avalés par le temps. Allez, que j'ai pas le temps. C'est faux. Tu dois le trouver. Tu dois sacrifier certains moments. Il est préférable de sacrifier un match de mini-foot ou un entraînement ou une salle et aller passer un peu de temps donc avec son père, sa mère, ou bien aller voir son frère, sa sœur. Ça, on a délaissé tout ça. Même moi qui vous parle, là, je suis le premier fautif. Dieu en est témoin. Moi, c'est catastrophique ce côté-là. Je vous montre mon GSM, j'ai que des menaces. Ma soeur qui me renie du livret de famille, mon père qui me dit, toi, t'es un frère, toi, t'es un wesh, toi. Toi, t'es pas un imam, toi. Ah ben oui, c'est la vérité, on est tout le temps en train de courir. Mec, gosse, la même chose. Dès que tu ouvres la porte, t'envoies un pic. Alors, t'as bien donné cours aux autres? Ça a été bien. Mais comme t'as parlé pendant 3 heures, tu rentres, t'es mort, tu sais plus parler. C'est pas facile, les gars, là. C'est une lourde responsabilité. Allah, Jazakallah, celui-là qui a. J'arrive pas à faire des rappels à ma famille, sont tendance à croire que je suis supérieur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre petit domaine. C'est quand ils croient que vous êtes supérieur. Là, essayez de les mettre à l'aise, par exemple, en achetant un livre où il y a justement ce que vous allez leur dire. Pour qu'ils ne pensent pas que c'est vous qui venez montrer que vous dites non, là, je suis comme vous, c'est parce que je l'ai lu dans un livre, par exemple. Maintenant, il y a Internet, c'est encore plus facile. Des fois, au lieu de montrer quelque chose, fais un petit cri là très simple en faisant subhanallah, regarde, mens, regarde vite 2 secondes, puis tu montes l'écran. Au lieu de venir, tu t'assis, bismillah, inna alhamdulillah, et tu commences un discours. Il y a des frérots qui l'ont fait, un père, il me l'a dit une fois. Il m'a dit, là, je vais l'envoyer, parce qu'il sait qu'il venait chez moi au local, il m'a dit, dis-lui qu'il se calme. Il rentre là, il s'assit, qu'il bdaye. Parce qu'il y a. Mais Satan, Shaitan, normalement, le père, il devrait être heureux. Mais tu vois bien que Satan, il est venu faire une attaque directe. Il a fait un balayage par derrière. Il est venu lui dire, ce gamin, c'est lui qui va commencer à. Ouais. Mais des fois, tu peux t'asseoir. Toi, tu sais de quoi tu vas lui parler. Mets-toi devant un lit, puis tu fais, subhanallah. Walid, pas, regarde. Par exemple. Des fois aussi, tu peux lui dire, c'est pas un mensonge. Tu dis, j'ai besoin de ton expérience. Explique-moi une fois ça.
Celle-là, c'est spécialement si tu sais que ton père sait lire. On va pas lui faire la blague, tu sais qu'il sait pas lire. C'est rabaissant. Mais non. Par exemple, tu sais que ton père, il sait lire. Exprès, tu fais pas, explique-moi. Là, c'est bizarre, explique une fois. Spécialement s'il fume, va pas lui donner exprès ce jour-là un truc qui parle sur une fatwa, la cigarette, l'enfer, tout le reste. Oui, il y a un tact. Il faut du tact. Même si tu veux vouloir passer un message à ce moment-là, passe-lui par autre chose. Et des fois, tu peux lui-même, à lui, hein, le faire pousser à ce que lui va faire le discours. Alors qu'à la base, c'est toi qui voulais faire un discours. Et lui va commencer à t'expliquer. Alors, alhamdoulilah, il faut. Quel est le rôle du frère envers ses sœurs? Ça, c'est une grosse petite polémique. Et c'est même un cauchemar chez nos amis belges. Ils croient souvent que les frères chez nous, c'est la police des polices. C'est le type qui sort dehors avec son épée, qui surveille sa sœur de loin. Mais en vérité, il y en a qui le font, et vous le savez. Ça diminue, mais il y en a qui le font. Et là où j'aime pas, c'est spécialement quand le frère, lui, se permet de faire n'importe quoi, mais les sœurs, ils surveillent du matin au soir. Dès que je te vois avec un mec, mais lui est déjà sorti 4 fois. Un frère qui veut être responsable de ses sœurs, il doit savoir qu'au-dessus de lui, il y a qui? Il y a son père. Et là, il y a beaucoup de garçons qui, des fois, dépassent des limites. Le garçon, il vient, il conseille le père. Il dit à l'Walid, excuse-moi, j'ai parlé avec ma sœur, elle ne veut pas comprendre, voilà ce qu'elle fait. Parce que toi, tu n'es pas tout le temps dehors, mais voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Un grand frère aussi, c'est pas un qui vient et qui commence à frapper, à choter comme ils le font certains. Parce que peut-être la sœur a fait une faute, kada, et elle a peut-être mis la jupe un peu plus haute ou n'importe. J'ai déjà eu plein de cas comme ça. Il vient, il la frappe même dans la rue. Ça, c'est pas la da'wa chez nous. Ça n'existe pas, ça, chez nous, en islam. Et non, ça se fait pas de cette manière-là. Il y a certains frères qui exagèrent, il faut être honnête. C'est pour ça que la question vient du côté des sœurs. La sœur n'a peut-être pas donné de détails, mais ça prouve qu'elle a envie de savoir, tiens, c'est quoi ses limites. Va voir qu'est-ce qu'il fait ce gars-là. Qu'il a un frère, il doit être aimant vis-à-vis de sa sœur. Comme il veut du bien pour lui, il doit vouloir du bien pour elle. Mais il ne peut pas se retrouver dans un excès de jalousie, dans un excès de comment on va dire ça, avec la jalousie, mais possessive. Tous les 10 secondes, il a des doutes, il surveille, il fait. Conseille, parle avec ta sœur, fais des rappels des fois. Naam, ça c'est bien. Parle-lui aussi du monde des hommes. Des loups, spécialement quand tu vois ta sœur qui arrive à un certain âge. Elle arrive à des 15, 14. Nous, maintenant, on est enseignants, on voit un tas de choses, l'ahfad. Excuse, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais on voit de nos yeux des filles qui courent après les garçons. Avant, c'était l'inverse. Ils disaient que c'était les garçons qui bavent, qui courent après les filles. Maintenant, je vois de mes propres yeux, c'est des filles qui courent. Je vais chez la fille, je dis, là. Le mouton qui court après le loup. C'est le monde à l'envers, purée. Mais tu vas te faire massacrer, Allah. Ah, mais non, il est sympa. Rappelez l'histoire, je vous l'ai déjà raconté. Le corbeau avec, là, avec une pigeonne. Ça n'existe pas dans un parc, un corbeau assis avec une pigeonne. Jamais de la vie. C'est incompatible. Et donc, c'est pour ça que, subhanallah, on n'a pas mis les vraies discussions entre nous. Parmi les vraies discussions, comme on l'a dit, il y a ce côté. Par exemple, religieux, de la vie. Je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'on pense que nos discussions, c'est seulement que du religieux? Tout est religieux chez nous. Parce que pourquoi je vous dis seulement que du religieux, puis j'ai dit tout est du religieux? Vous allez me dire, oh là, ça se contredit. Non, c'est parce que certains ont cru qu'il n'y a que de la religion, c'est-à-dire quoi? C'est seulement sur est-ce que tu as prié, est-ce que tu as fait. Non, même lui parler de sa santé, c'est de la religion. Même lui parler de comment aller sa journée, c'est aussi de la religion. Parce que tu peux aussi lui faire un rappel et ainsi de suite. Et l'ardalik, si tu fais le grand frère, soit aussi celui qui met en pratique ce qu'il dit aux autres, hein, c'est important, hein, comme on l'a dit donc tout à l'heure. Et je crois qu'apparemment les questions commencent à se répéter les mêmes. Ah voilà, ici c'est différent. Étant reconverti, que puis-je faire pour guider donc mon père vers l'islam? Tout d'abord, l'invocation. C'est l'arme que vous avez la plus fatale qu'il y a, c'est l'invocation. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de vos prières, même quand vous marchez, même quand vous vous levez par exemple la nuit, vous réveillez, hein, et vous êtes concentré, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour vos parents. Et on en a vu, subhanallah, des parents qui sont revenus, qui sont, subhanallah, rentrés dans l'islam à la dernière seconde de leur vie. Il y a des cas, et il y a plein d'histoires de ce côté-là. Deuxièmement, votre comportement. Beaucoup de parents se sont convertis après des années. Et ils nous ont avoué des fois au bureau quand ils sont convertis, ils te disent, je me suis converti parce que j'ai vu que mon enfant qui s'est converti, au plus je l'ai embêté, au plus il m'a respecté. Chose par la drôle de phrase, toute bête.
Au plus je l'ai embêté, au plus il m'a respecté. Quand je lui dis « Pourquoi tu réagis pas ?» Il me dit « Mon Seigneur me l'interdit. » Allahu Akbar. Ça, c'est un converti modèle. Anam, ça, c'est important. Au plus il t'embête, au plus toi, tu gardes le même respect. Et ça, donc, ça revient à ce qu'on a dit. Et troisièmement, c'est toi qui connais ton père mieux que n'importe qui. Si c'est quelqu'un que tu sais que ça ne le dérange pas de lire quelque chose, de temps en temps, offre-lui une petite lecture dans le domaine de l'islam. Par exemple, dis, tiens, voilà, tu as vu comme je suis musulman. Ben, tiens, comme ça, tu sais un peu comment ça fonctionne chez nous, le sacrifice, pourquoi on a cette fête. Tiens, tu as vu pourquoi je prie. Ben, regarde, ça, c'est un livre sur la prière. Et ainsi de suite. Et on peut aller plus loin. Si jamais tu sais qu'il peut se faire inviter, par exemple, c'est le style qui accepte d'être invité, prends-le avec toi à une conférence. Il y en a plein encore qui croient qu'un non-musulman ne peut pas rentrer à la mosquée. Le Mashaykh, il n'arrête pas de le dire, que ce soit en Arabie ou autre, il n'arrête pas de dire. C'est l'endroit de la da'wa, c'est ici. Avec respect, kada, donc le hamna, tu l'expliques, voilà comment c'est, ceci, cela, mais c'est ici le domaine de la da'wa. Et des fois, moi, je reçois des mails où il y a des non-musulmans qui me disent, monsieur, j'habite dans tel quartier, il y a une mosquée, ça fait des années, j'ai envie d'entrer. Subhanallah. Wallahi. Et chez nous au centre, c'est flagrant. On a eu des visites. Ou subhanallah, c'est drôle à dire, ça s'est toujours terminé par une conversion. Le groupe y part, puis t'en as toujours un qui reste en schleit. Alors le guide, il appelle, ouais, venez, venez, j'arrive deux minutes, puis viens chez moi. Comment on fait pour se convertir? Je sens vraiment bien, moi c'est drôle, je sais pas ce qui se passe. Oui, reviens demain. Ça c'est si jamais il veut des explications. Mais celui qui me dit, je veux me convertir, il n'y a pas de demain, même si c'est déjà fermé. Il descend en bas. Il descend en bas direct. Oui, mais on m'a dit que... Descends en bas, vite. Ah, n'est-ce que tu meurs, Allah, je perds un client. Descends en bas. Ah oui, descends vite en bas. Là, on prend le temps, tu lui expliques, kada, ceci, cela. Eh bien, les visites, c'est pour ça que les mosquées, ça serait bien. C'est des idées qu'on donne de ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Une journée porte ouverte, une fois par an. Et si chaque mosquée faisait un agenda, l'une derrière l'autre, Allah, il t'aurait une mosquée ouverte. En vérité, il y aurait même plus, parce qu'il y a 460 mosquées quasi minimum en Belgique. 460 minimum. À ce qui paraît, il y en a entre 80 et 90 à Bruxelles. Entre 80 et 90 mosquées à Bruxelles. Si chacune faisait un intervalle entre guillemets, rien que tous les deux jours, une fait une porte ouverte, tu vois que là, tu as les 365 jours, quasi toutes les mosquées reçoivent des non-musulmans pour venir un peu se renseigner, voir ce qu'il y a. Et alhamdoulilah, maintenant, les nouvelles mosquées, ils ont des salles de conférences, il y a des projecteurs, tu peux faire un tas de choses. Et wallahi, ça donne des fruits. Vous serez étonnés, les frères. Wallahi, ça donne des fruits. Si la sœur, elle parle par rapport à sa responsabilité vis-à-vis de son mari, qui lui demande beaucoup de choses, mais elle dit, je sais qu'il a raison dans ce qu'il dit, mais elle dit qu'elle a du mal à faire tout ce qu'il demande. C'est vrai que ça, c'est un dilemme par rapport à la responsabilité d'épouse vis-à-vis de son époux, ou bien de l'époux vis-à-vis de son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il nous demande, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Chère sœur, ce que tu n'es pas capable de faire, sois honnête et dis-le à ton mari. Mais ça, c'est quand on est juste. Mais si jamais, comme tu dis, je sais qu'il a raison, mais je ne le fais quand même pas, ça, c'est un autre problème alors. Ou bien si jamais tu dis, je sais qu'il a raison, mais il demande trop, eh bien, alhamdoulilah, essaye de lui faire comprendre un moment où vous êtes bien à l'aise. Il faut toujours choisir les bons moments. Dans le couple, c'est comme ça. Hein, des fois, ça marche, alhamdoulilah. Il faut toujours choisir les bons moments, pas venir parler à chaud. Ça ne sert à rien. Mais choisir un bon moment et puis dire, voilà, Mashallah, je suis content, tu me demandes de faire certaines choses, je sais que ça te fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, mais je voulais ton avis, voilà, il y a des situations, subhanallah, je n'arrive pas à suivre. Qu'est-ce que tu penses, à cause de quoi, kada, et on discute. On essaie de trouver, ce n'est pas facile, mais il faut lancer comme ça donc la discussion, le débat par rapport à cela. Donc il dit, je veux bien comprendre qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne atteigne le même degré de foi, aussi vite que moi, mais que faire lorsque son épouse a une manière de se comporter inadéquate et également un problème vestimentaire. Je brûle de l'intérieur, car avant, elle n'était pas comme ça. Parfois, je lui dis dans l'énervement, tu vas aller en enfer, comme cela, donc c'est-à-dire que faire. Ça, c'est un problème de couple que je vous conseille, l'ardalik, d'essayer de voir une médiation, d'essayer de la forcer, qu'elle accepte, hein, à ce qu'une tierce personne lui fasse comprendre. Et tu vas être étonné, il arrive que des fois, une autre personne va dire la même chose que toi. Il y a des fois des frères qui sont venus chez nos bureaux et puis après, il veut me parler seul à la fin. Il dit à la dame, à son épouse sortir, puis il me dit, je vais la tuer.
Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, Wallah, tout ce que tu as dit, je lui ai dit. Mais c'est normal. Il y a des fois des êtres humains, ils ont besoin d'une autre bouche. Ils l'entendent de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'entre vous, il y a tellement d'électricité là que des fois, le dialogue, il y a comme un voile là. Et des fois, l'autre personne vient, lui dit la même chose. Et subhanallah, la personne le met en pratique. Des fois, il y en a qui ont besoin d'une autre preuve. Ils croient que c'est ta théorie à toi. Mais dès qu'ils l'entendent d'un autre, il y en a même des fois, j'ai dit la même chose, et il est arrivé qu'une sœur ou un frère m'a dit, il vous a appelé. Sinon, c'est la religion, il ne m'a pas appelé, je ne connais pas le type. Regarde les gens comment ils doutent, subhanallah. Ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Donc, Allah Rda Ali, qu'essaye d'abord de. Parce que je donne un exemple pour le cas du frère. Une femme ne change pas comme ça du jour au lendemain, spécialement dans le domaine de la pudeur. Vous serez étonné. Donc, il y a moyen de donner plein d'explications, mais on ne peut pas spéculer. On va passer la soirée à cela. La preuve, je vous donne une bête spéculation. Il y a des fois des filles qui ont été forcées, toutes jeunes, à s'habiller, entre guillemets, à la musulmane. Et elles tiennent. Toi, tu crois que c'est à l'aise, tu te maries avec elles, tu crois que c'est à l'aise. Un jour, tard, t'arrives, tu la trouves en jupe ou. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'était prévisible, point à la ligne. Sauf que c'est toi qui as payé la facture. C'est qu'au lieu qu'elle s'explose il y a 3 ans, elle s'est explosée maintenant. Oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. On a déjà eu des cas, des sœurs qui viennent et disent non, moi, on m'a forcé. Pour m'habiller comme ça, j'ai reçu des tartes pendant des années. Je supporte pas. Voilà. Je veux pas. Donc, essaye de voir pourquoi est-ce que, subhanallah, elle change ce côté-là. Mais ça, il faut une médiation. Il faut appeler, prendre rendez-vous au centre et voir avec les frères, inshallah, s'il y a moyen d'en parler. On rappelle aussi que. Pourrais-tu me donner, à la fin de la conférence, pourrais-tu me donner la parole? Un, inshallah, afin de présenter une activité sportive. Youssef, c'est Youssef. Soudal. Donc, deux choses. Le frère Zaoullah, il va vous expliquer une chose. Et ceux qui partent après, s'il vous plaît, lard alikoum, faites votre possible, inshallah. Il y a des CD qui se vendent. C'était combien encore? 1 euro, il y a 1 euro. C'est un prix démocratique, c'est plus pour la da'wa, pour le local des jeunes. Et aussi, c'est bien pour les donner. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, il a minimum des fois 1 euro en poche ou bien 2 euros. Investissez lard alikoum et vous offrez ça. Hein, des fois, ça peut vous aider à vous d'écouter. C'est un peu toutes les questions-réponses qu'on fait. Ça peut aider certains jeunes parce qu'elles sont par thème, si vous avez remarqué. Et alhamdoulilah, donc vous rentrez dans la da'wa et vous investissez pour l'au-delà et ici-bas. Donc, écoutez un peu le frère. Donc, ce message, il s'adresse en fait, il y a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. C'est une salle de fitness. Donc, les jeunes, ils organisent une activité sportive. Je vais d'abord parler pour les hommes. C'est le samedi et dimanche, de 15h à 17h. Et c'est 10 euros par mois. Il faut un minimum de 10 personnes. C'est demain qu'elle commence l'activité, inchallah, pour les hommes. Et pour tout renseignement pour les hommes, il y aura un frère qui nous accueillera dans le bureau qui est aussi au fond. Pour les femmes, c'est le mardi et le vendredi, de 14h à 18h. Et alors, il y aura une femme qui s'occupera de prendre les noms et numéros de téléphone, en fait, du côté des femmes. Donc, c'était pour l'activité sportive qu'on organise, nous, les jeunes d'Al-Ahmed, inshallah. Barakallahu fikoum. C'est fitness, c'est quoi? C'est sport? C'est une salle sportive de fitness, en fait. Sahab. Il y a aussi des vélos, tout à fait. Il y a aussi des vélos, inshallah. Enfin, vous voyez ces petites activités, hein, ça vaut la peine. Mais elles valent la peine si, alhamdoulilah aussi, donc les frères, comme ils vont louer, entre guillemets, que ça sera pour vous l'activité. Voilà. Vous voyez, donc les femmes, elles ont leurs heures creuses, les frères, ils ont leurs heures. Et c'est aussi, alhamdoulilah, une occasion de se rencontrer entre frères, aussi de discuter. Vous savez, le sport est aussi un moyen, subhanallah al-adim, de rapprocher certains d'entre nous. Fardalikoum. Donc, faites votre possible. Enfin, inshallah, nous, on vous redonne rendez-vous, inshallah, si tout va bien, pour le premier vendredi. La ilaha illallah, le premier vendredi, inshallah, du mois de décembre. Donc, ça sera le 2 décembre. Est-ce qu'il y a déjà une heure, inshallah, les jeunes l'heure de Sil Azouzi, l'heure de cela, elle ne change pas vers décembre. L'achat, elle descend, yak. Parce que comme c'est un vendredi, elle sera à quelle heure vers décembre, plus ou moins? Donc on garde 19h? C'est bon, 19h, vendredi? Hein? Ça fait bien, on commencera après l'Isha, inshallah. Donc le 2, après l'Isha, il y aura les affiches et les annonces comme d'habitude. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka afoun karim, tuhibbu al-afwa fa'afu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي أسرنا، اللهم اهدي أسرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل أعمالنا وصلاتنا وصيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Et désolé les frères, je dois quitter les lieux, donc je sais que souvent des frères viennent après en privé pour des questions. Je ne pourrai pas. J'ai la famille qui m'attend pour un baptême. Je suis déjà en retard. J'ai senti vibrer une centaine de fois. Ça va être mon baptême à moi aujourd'hui. Allah jazakoum bikhair. Allah hafadkoum à la fois prochaine, inshallah. Salam. Et les frères, ça tombe bien. Ceux qui d'habitude me demandent souvent, il y a le, inshallah, si tout va bien, il y a Shabab le vendredi 18.